Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je déclare la séance ouverte et je demande à ce titre au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 24 février 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la séance de sa session extraordinaire à partir du vendredi 3 mars 2006 à 9 h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par Monsieur le Président Tony Géros. Merci. Veuillez faire l'appel des représentants. Madame Algon Emma, présente. Madame Big Sabrina, présente. Madame Bouzi Herrera Auxilia, présente. Madame Bob Dupont-Tamara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présent. Madame Bouton-Nicole, présente. Monsieur Brion Jacqui, présent. Monsieur Calson Jean-Michel, présent. Madame Chinfo Rosina, présente. Monsieur Domingo Dauphin, présent. Madame Flore Romance, présente. Monsieur Floss Gaston, absent. Monsieur Foster Temauri, absent. Monsieur Frébeau-Jean Alain, présent. Monsieur Fritz Edouard, présent. Monsieur Géros Anthony, présent. Madame Haïti Pascal, présente. Madame Irshon Onotea, présente. Madame Iriti Teoura, présente. Monsieur Komoitini René, présent. Monsieur Lison Marcelin, absent. Madame Araya Emma, présente. Monsieur Maraïra Teina, présent. Monsieur Mataoua Mayron, absent. Madame Mati Juliana, présente. Madame Merceron Armel, présente. Madame Mouévé Amo Véronique, présente. Monsieur Moutam Thomas, présent. Madame Naya Teripaya Maron, présente. Madame Olivier Marise, présente. Madame Parker Eleanor, absente. Madame Pater Delia, présente. Madame Persegal Daniel, présente. Monsieur Piatin André, présent. Madame Richton Monique, absente. Monsieur Rivetta Frédéric, absent. Madame Rochette Stella, absente. Monsieur Sandras Bruno, présent. Monsieur Chil Philippe, présent. Monsieur Sommès Eugène, présent. Madame Taïro Lucette, présente. Madame Tahara Guilinda, présente. Madame Tahiata Chantal, absente. Madame Tahuatama Juliette, présente. Madame Tama Françoise, présente. Madame Tefata Oulela, présente. Monsieur Térémathée Ruben, présent. Monsieur Territia Roberto, présent. Madame Teroatea Sylviane, présente. Madame Tétonui Lana, présente. Monsieur Tétonui Noa, présent. Monsieur Tongson Gaston, présent. Madame Touchobia Catherine, présente. Monsieur Vaidaroa Howard, présent. Monsieur Van Bastolet Raymond, présent. Monsieur Vangchou William, présent. Et Monsieur Yip Michel, absent. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Veuillez donner lecture des procurations déposées. Alors, Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Monsieur Mataoua Mayron à Madame Juliana Mati, de Madame Rochette Stella à Madame Françoise Tama, de Monsieur Sommès Eugène à Madame Linda Taharagi, de Madame Tahiata Chantal à Monsieur Anthony Géros, de Madame Touchobia Catherine à Monsieur William Wangchou, de Monsieur Floss Gaston à Madame Teoura Iriti, de Monsieur Lison Marcelin à Monsieur Thomas Moutam, de Madame Parker Eleanor à Madame Pascal Haïti, de Madame Richton Monique à Monsieur Noa Titonoui, de Monsieur Rivetta Frédéric à Madame Juliette Ahuatama, enfin de Monsieur Yib Michel à Monsieur Teina Mareura. Merci. Donc je demande au secrétaire général de poursuivre l'examen de notre ordre du jour par la lecture du projet arrêté en conférence des présidents. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie mardi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen des rapports d'une proposition de délibération d'un avis et organisation de débat. Point 3. Débat sur les rapports d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française portant sur la gestion de l'Assemblée de la Polynésie française au cours des exercices 1996 et suivants. La gestion depuis l'exercice 1991 de la Société d'économie mixte dénommée Société d'équipement de Tahiti et des îles, CETIL, devenue à partir de l'exercice 2002 SEM CETIL Aéroport. La gestion des finances de la Polynésie française au cours des exercices 1991 et suivants. Enfin, la gestion des services de la présidence de la Polynésie française au cours des exercices 1991 et suivants. Point 4. Désignation de rapporteur de loi de pays. Point 5. Examen de la correspondance. Point 6. Clôture de la session extraordinaire. Et enfin, point 7. Clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Voilà, Mesdames et Messieurs, donc je vous demande de bien vouloir approuver notre projet d'ordre du jour. Ceux qui sont pour. Monsieur Fitch, oui. Oui, Monsieur le Président, le projet d'ordre du jour qui vient d'être lu par le secrétaire général ne correspond pas au projet d'ordre du jour, à la liste des rapports que nous avons reçus à être examinés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une corrélation ou nous n'avons pas le même ordre? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, oui.
donner lecture de l'ordre que vous avez. Nous avons tous reçu ce document qui prévoit l'examen du rapport 034-2006 en premier, c'est-à-dire le collectif budgétaire, ensuite l'avis sur le Code général des impôts et ensuite l'examen des rapports de la Chambre territoriale des comptes, en commençant par celui de la gestion de l'Assemblée, la CETIL, la gestion des finances et les services de la présidence. Oui, c'est bien ce qui vient d'être lu. Pas tout à fait. C'est-à-dire? Il y a une inversion au niveau de l'ordre des rapports, Monsieur le Président. Je pense qu'elle a lu, rectifier, c'est tout ce que je demande. Je pense qu'elle a lu la convocation qui nous a été apportée, c'est ça? Ah. Non, elle a lu ce document-là qui est marqué projet d'ordre du jour. C'est sur ce document qu'on va statuer. C'est ce document qui a été arrêté en conférence des présidents. Il comporte 7 points. Le premier point porte sur l'approbation de l'ordre du jour. Le deuxième, l'examen des rapports d'une proposition de libération d'un avis et organisation des débats. Troisième point, débat sur les rapports d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes, avec en premier la gestion de l'Assemblée, ensuite la gestion depuis 91 de la CETIL, la gestion des finances au cours des exercices 91 et suivants, et enfin la gestion des services de la présidence au cours des exercices 91 et suivants. Le quatrième point porte sur la désignation de rapporteur de l'autre pays. Le cinquième, examen de la correspondance. Le sixième, la clôture de la session extraordinaire. Et le septième point, la clôture de la séance. On est conforme? On est bien sur le même ordre du jour? Oui, nous sommes sur le même ordre du jour, Monsieur le Président. Donc c'était bien sur la convocation. Vous lisiez la convocation. D'accord, pas d'objection. Très bien, la note est donnée. Hein. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, Mesdames et Messieurs de la presse, Yorana. Monsieur le Président, je veux juste vous faire remarquer que nous avons reçu un courrier concernant les absences justifiées. Je vais parler des procurations. Monsieur le Président, votre courrier daté du 24 février 2006 nous a bien fait comprendre que pour pouvoir donner des procurations, il faut que nos lettres d'absence soient bien motivées et des absences bien justifiées. Je sais que vous avez déposé une procuration au nom de M. Myron Matawa. Je sais que M. Myron Matawa est en campagne dans la commune de Toumara pour les élections municipales. Alors, ma question est de savoir si c'est une excuse valable. Eh bien, je vais repartir tout de suite aussi pour aller battre campagne aux élections communales de Doumara. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Donc, on poursuit le point sur lequel nous étions, à savoir l'approbation du projet d'ordre du jour qui vous a été exposé. Donc, ceux qui sont pour, 31 voix pour, ceux qui s'abstiennent. Pas d'abstention. Ceux qui sont contre, vous n'êtes pas contre. Très bien, donc on poursuit. L'ordre du jour est adopté. Donc nous passons au deuxième point de notre ordre du jour, à savoir l'examen des rapports et propositions de libération et avis. Donc à ce titre, je vous demande de vous rapporter au rapport 34-2006 relatif à une proposition de libération portant modification numéro 1 du budget général de la Polynésie française, exercice 2006. Et je demande à ce titre au rapporteur de ce rapport, en l'occurrence Mme Rosina Ginfo, de bien vouloir nous en donner lecture. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président du pays, Mesdames, Messieurs les représentants, chers publics et Yorana. La présente proposition de collectif budgétaire a pour objet, d'une part, de prendre en compte les préconisations formulées par la Chambre territoriale des comptes dans son avis budgétaire du 13 février 2006, et d'autre part, de réviser à la baisse le montant global de l'enveloppe d'emprunt qui s'inscrit dans le processus de désendettement du pays. S'agissant de l'intégration des propositions de la Chambre territoriale des comptes, ces dernières sont de deux ordres.
Premièrement, intégrer les dispositions relatives à l'avenant numéro 2 à la convention DGDE du 4 octobre 2004 qui détermine pour l'exercice 2006 le taux du prélèvement maximum de dotation à 35% pour le financement des dépenses de fonctionnement relatives au programme d'aide en faveur de l'emploi et la formation professionnelle. En second lieu, tenir compte du retard dans l'applicabilité de la loi du pays numéro 2005-7 LEP-APF du 5 décembre 2005 portant diverses mesures fiscales à l'importation qui fixe une nouvelle répartition de la taxe spécifique grands travaux et routes et de la taxe de consommation pour la prévention. Les modifications proposées concernent tant la section de fonctionnement que la section d'investissement. En section fonctionnement, en recette, au chapitre 953, secteur travail, sous-chapitre 953-10, une diminution de la recette relative à la reprise de la DGDE sur la section de fonctionnement pour financer les actions en faveur de l'emploi est constatée. Cette réduction résulte des dispositions de l'avenant numéro 2 à la convention DGDE qui plafonne à 35% pour l'exercice 2006 le montant de la dotation susceptible d'être mobilisée pour financer les actions en faveur de l'emploi et la formation professionnelle. Au chapitre 972, secteur fiscal indirect, sous-chapitre 772.00, droit à l'importation, une diminution de 300 millions de francs CFP est constatée aux articles 750-24, taxes de consommation pour la prévention, et 750-25, taxes spécifiques du grand travaux et routes à hauteur respectivement de 50 et 250 millions de francs CFP. Cette diminution préconisée par la Chambre territoriale des comptes dans l'avis budgétaire rendu le 13 février 2006 tient compte du fait que le retard résultant des recours intentés contre la loi du pays numéro 2005-7 du 5 décembre 2005 portant diverses mesures fiscales à l'importation induit une perte de recettes estimée à 300 millions de francs CFP. En effet, lors de l'élaboration du budget primitif de l'exercice 2006, les prévisions de recettes concernant ces deux nouvelles taxes ont été calculées en s'appuyant sur la désaffectation partielle de ces taxes du budget de l'EGT et de l'EPAP au profit du budget du pays. L'équilibre de la section de fonctionnement sera effectué par un prélèvement sur l'excédent de clôture de la section de fonctionnement à hauteur de 2,9 milliards de francs CFP. Ce prélèvement s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 32, alinéa 4 de la délibération numéro 95-205-AT, modifiée du 23 novembre 1995, qui précise jusqu'au vote du compte administratif, le prélèvement sur l'excédent de clôture de la section de fonctionnement ne peut excéder 50% du montant de celui-ci tel qu'il ressort de la comptabilité de l'ordonnateur. En dépenses, au chapitre 953 secteur travail, sous-chapitre 953-10, un transfert de crédit de l'article 650-06 Programme d'action pour l'emploi DGDE vers l'article 650-07 Programme pour l'action, la formation professionnelle, l'insertion et frais annexes formalise le financement de la Polynésie française des actions pour l'emploi au lieu et place de l'État au-delà du plafond de 35%. En section d'investissement, en recette, au chapitre 927, financement complémentaire de la section d'investissement, afin de tenir compte des dispositions de l'avenant numéro 2 à la convention DGDE qui limite à 35% le montant de la dotation susceptible de financer des dépenses de fonctionnement dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, il convient de procéder aux ajustements suivants. À l'article 105, -116 participation de l'État DGDE plus 1 709 820 000 francs. À l'article 145-1 DGDE action pour l'emploi moins 1 709 820 000.
Par ailleurs, au regard des conséquences budgétaires résultant des dispositions de l'avenant numéro 2 précité, et dans un souci de mettre en œuvre les mesures destinées à favoriser la politique de désendettement du pays, une diminution de l'enveloppe globale d'emprunt est proposée à hauteur de 1,709 milliards. En dépenses au chapitre 925, mouvements financiers, les crédits de paiement, écriture d'ordre initialement inscrits sur l'AP 109 2006, action pour l'emploi et aide entreprise, DGDE, écriture d'ordre, sont diminués à hauteur de 1,709 milliards de francs CFP pour tenir compte des dispositions de l'avenant numéro 2 à la convention DGDE et des préconisations de la Chambre territoriale des comptes. L'autorisation de programme numéro 109-2006 est réduite du même montant. Ainsi modifié, le budget général pour 2006 s'élève désormais à 131 796 454 054 francs CFP en section de fonctionnement, à 47 077 257 258 francs en section d'investissement autorisation de programme, à 41 140 531 510 francs en section d'investissement crédit de paiement hors report 2005-2006 et à 27 038 351 510 francs en section d'investissement crédit de paiement hors report 2005-2006 hors dette et écriture d'ordre. Tel est l'objet de la proposition de délibération ci-jointe que les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'adopter. Voilà, Monsieur le Président. Merci. La discussion générale est ouverte et j'invite à ce sujet le premier intervenant du groupe Tahuera à prendre la parole. C'est Mme Armelle Mercerot. Mme Armelle Mercerot. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Vice-président du gouvernement, pas de ministre, donc je ne les salue pas. Bonjour, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La démocratie n'est pas un vain mot. Elle a du sens. Elle se vit au quotidien dans le respect des rôles dévolus à chacun par la loi. Vous vous demandez où je veux en venir. Nous tenons notre mandat du suffrage universel direct et cela fait notre fierté à tous, je pense. La population nous a désignés pour la représenter dans le fonctionnement de nos institutions. C'est pourquoi, dans l'exercice de leur mandat, les représentants et tous les représentants, quel que soit leur bord politique, ont droit à une parfaite information pour prendre de bonnes décisions dans les domaines de compétences que la loi organique leur a expressément dévolus. Et notamment en matière budgétaire, nous avons cette compétence exclusive. Et le gouvernement, je répète, et le gouvernement a l'obligation de nous apporter les informations qu'il détient. Et pourtant, j'ai ressenti un malaise certain lundi dernier, lors de la commission des finances, parce que, d'une façon évidente et volontaire, l'exercice de notre droit à cette information complète nous a été volontairement refusé sans raison légitime apparente. Et je m'explique. Madame le rapporteur et présidente de la commission des finances, vous avez déposé une proposition de délibération qui viendrait modifier le budget primitif 2006 si elle est adoptée. Je laisse à mes collègues du groupe Tahoeira le soin d'analyser plus en détail le sujet. Mais je préciserai seulement pour la bonne compréhension de ma critique que vous avez choisi de régler le déséquilibre du budget par le prélèvement d'une partie de l'excédent provisoire de la section de fonctionnement de l'exercice 2005. Manœuvre parfaitement admise, ainsi que votre rapport le rappelle, dès lors que la ponction ne dépasse pas 50% de cet excédent. Encore faut-il que nous, décideurs, nous puissions vérifier que cette règle est respectée avant de décider.
Il y va de notre responsabilité et de notre crédibilité. Or, que s'est-il passé lundi? La commission législative que vous présidez, madame, est le premier maillon obligatoire du processus d'adoption de ce texte. Elle a pourtant adopté votre proposition en aveugle, puisque vous avez accepté que me soit refusé, et par la même occasion à tous les élus présents de l'opposition et de la majorité, la connaissance de ce résultat de l'exercice 2005. Il nous a été répondu, il m'a été répondu que nous devions attendre que M. Jacques Hydrollet, vice-président, ministre de l'économie, des finances, du tourisme, porte-parole du gouvernement chargé de la communication et de la cohérence de l'action gouvernementale. Je crois que c'est à peu près tout, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous n'étiez pas présent en commission. Et on nous a dit qu'il fallait qu'on attende que vous soyez en personne là pour nous donner l'information. Ça semble un secret d'État. Mais enfin, qui êtes-vous pour nous imposer à nous ces conditions? Je n'incrimine pas votre technicien parce que manifestement, il avait reçu des consignes de silence. Mais je regrette, Madame la Présidente de la Commission, que vous n'ayez pas cru nécessaire vous-même d'exiger cette information, que cette information nous soit donnée, et qu'au contraire, vous avez couvert cette façon d'agir. Vous vous êtes contenté de déclarer, et de nombreux témoins étaient là, j'ai ouï dire que le résultat dépassait 5 milliards. Si cela suffit aux membres de votre majorité pour décider, nous ne pouvons pas nous satisfaire, car nous voulons décider, je le répète, en parfaite connaissance. Ma question était non seulement légitime, elle était extrêmement banale. C'est pour cela que je ne comprends pas votre attitude. Vous, qui voulez paraître vertueux, hein, commencez par respecter les droits des représentants, en particulier ceux de l'opposition. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Au titre des non-inscrits, on poursuit. Madame Algon, n'oubliez pas, je vous ai adressé un courrier pour vous limiter au temps de parole. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Mais dans les autres dossiers, je n'interviendrai pas à tous. Je vais réserver les autres minutes, si vous voulez bien. Monsieur le Président de l'Assemblée, bonjour. Monsieur le Vice-président Grana, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs du public et mesdames et messieurs de la presse Grana. Nous avons bien noté que la proposition de modification du budget émane de l'Assemblée et non du gouvernement. Dans la mesure où c'est le gouvernement qui nous avait présenté son budget en décembre, que c'est son budget qui avait été déféré à la sanction de la Chambre territoriale des comptes, nous regrettons que le gouvernement n'ait pas eu le courage ou la cohérence de présenter lui-même une modification à son budget. De plus, la modification proposée repose entièrement sur la prise en compte d'un excédent de clôture constaté par l'ordonnateur, c'est-à-dire par le président du gouvernement. À cet égard, comme l'a souligné Mme Armel Mercheron, il est très regrettable que lors de la présentation de la proposition de modification en commission, aucun document officiel ni aucune information écrite n'a été donné aux représentants sur le montant de l'excédent constaté en fin 2005. Aussi, il a été demandé aux membres de la commission d'approuver un texte qui prévoit le redéploiement de sommes dont aucun représentant n'a pu constater la réalité. Cette méthode n'est pas compatible avec le rôle que doit jouer notre institution. Le gouvernement peut-il nous fournir le document officiel émanant de l'ordonnateur attestant du montant de l'excédent? D'autre part, l'annonce d'un excédent de plus de 4 milliards sur l'exercice 2005 laisse songeur. Cet excédent ne peut avoir que deux explications. Soit le gouvernement a eu un excédent de recettes fiscales, soit il n'a pas dépensé l'ensemble des crédits prévus pour ses opérations. Si les recettes ont été trop importantes, il faut mener une réflexion sur un allègement de la fiscalité. Si les crédits n'ont pas été utilisés, il faut mener une réflexion sur la capacité du gouvernement à concrétiser ses programmes. Enfin, nous regrettons que la majorité ne profite pas de cette occasion pour réorienter son budget vers les secteurs prioritaires qui ont été délaissés dans le budget primitif.
Il y a un vrai décalage entre les besoins de la population et les initiatives du gouvernement. La population attend des mesures immédiates et efficaces pour améliorer son quotidien, pour diminuer le coût de la vie et pour relancer l'emploi. Nous craignons que la modification à minima de votre budget et l'absence de projets concrets ayant des incidences bénéfiques immédiates sur les prix et l'emploi ne seront pas de nature à redonner confiance à la population, pas plus d'ailleurs que l'instabilité, il faut l'avouer, de votre majorité. Nous voterons contre votre budget modifié. Merci. Merci. Donc, on poursuit la discussion générale avec un autre intervenant du groupe des non-inscrits, M. Philippe Chien. Oui, M. le Président, M. le Vice-président, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs du public et de la presse, bonjour. Cette proposition de délibération prend en compte l'avis de la Chambre territoriale des comptes du 13 février dernier et vise à rétablir l'équilibre du budget général de Polynésie française pour 2006. Néanmoins, je suis un petit peu surpris dans la démarche qu'on n'ait pas attendu la décision finale du Conseil d'État sur les recours du Tahoeraa, de la Fédération générale du commerce et de certains particuliers contre les lois de pays à caractère fiscal. N'y a-t-il pas un risque, malgré les conclusions favorables du commissaire du gouvernement rendues le 22 février dernier? Le deuxième point qui m'interpelle, c'est la DGDE, la dotation globale pour le développement économique. Certes, cette dotation doit être employée pour l'investissement, puisqu'elle a été décidée pour cela, afin de favoriser le développement économique. Néanmoins, je trouve regrettable que l'État ait décidé de manière unilatérale et de façon très inopportune de venir bouleverser une décision qui a déjà été prise par l'Assemblée de Polynésie, laquelle avait voté déjà le budget général. Troisième ou quatrième remarque que je voulais faire, le prélèvement qui a été effectué sur l'excédent de clôture de la section de fonctionnement de plus de 2 milliards me semble être une solution certes convenable, mais une solution néanmoins facile. Il est dommage qu'on n'ait pas opté, par exemple, pour la recherche d'économies au niveau de la section de fonctionnement. Et je terminerai enfin en disant que la recherche d'une diminution de l'endettement est une mesure, bien évidemment, que je salue. Et pour ce faire, je m'abstiendrai par rapport à cette proposition. Je vous remercie. Merci. Donc, on poursuit avec le groupe du Tahoeraa. Il y a un seul intervenant à l'UPLD, donc le groupe du Tahoeraa. Sinon, je passe votre tour et je reviens au non-inscrit. Monsieur Nouantetouni. Merci. Maroupeteni, Fatrehaou, Maroupeteni, Yorana, et Mohoa, Yorana. L'ordre du jour de nos travaux appelle l'étude d'un projet de collectif budgétaire qui, à la différence de ce qui nous est coutumièrement présenté, prend la forme d'une proposition de délibération déposée le vendredi 24 février dernier par notre collègue Mme Rosina Tsinfo. C'est ainsi que nous pouvons affirmer que par cette proposition de délibération, notre Assemblée vient aujourd'hui au secours du gouvernement pour réparer les fautes que celui-ci fit endosser à la majorité de notre Assemblée en lui faisant voter en fin d'année dernière, malgré nos mises en garde, un budget en déséquilibre manifeste. Est-ce à dire que dans ce geste, la majorité entend se défier et adresser un soufflet ou une remontrance à son gouvernement pour l'avoir ainsi conduite dans l'erreur? Vous ne le direz peut-être. Toujours est-il que la persistance du gouvernement dans son refus de nous entendre a finalement trouvé sa légitime sanction dans la décision de la Chambre territoriale des comptes, saisie par Madame le Commissaire, de reconnaître le déséquilibre réel d'une somme conséquente de 2 milliards au budget de l'exercice 2006. Bien sûr, cette décision, loin de nous réjouir, conforte surtout le groupe Tahoeraa dans l'analyse
qu'il avait pu porter sur le document budgétaire qui lui avait été proposé et illustre parfaitement la précipitation et l'amateurisme, je répète, précipitation et l'amateurisme avec lesquels ce dossier a été échafaudé en fin d'année dernière. Je constate également, au vu du résultat des derniers sondages parus dans la presse locale, que les Polynésiens ont très majoritairement approuvé le principe de ce contrôle de l'équilibre du budget, d'autant que celui-ci, malgré toutes les déclarations rassurantes des membres de la majorité, s'est montré négatif. Nous devons y voir, nous tous, les politiques, une preuve de maturité de leur part et le fait qu'ils ont bien compris tout l'intérêt de la chose. Le Conseil d'État nous dira demain, comme il peut encore le faire en ne suivant pas en tout ou en partie les recommandations de son commissaire du gouvernement, si à ce déséquilibre de 2 milliards de francs devront s'en ajouter d'autres, tirés alors d'une annulation de certaines des lois fiscales déférées à sa censure. Dans ces conditions, à la première précipitation s'en ajoutera une autre qu'il nous faudra encore corriger. Comme cela est mentionné au rapport, l'objectif unique de ce collectif est d'appuyer le déséquilibre constaté par le juge des comptes. Ce faisant, vous vous abstenez de vouloir honorer vos engagements de corriger par collectif les insuffisances de votre budget dans toute une série de sujets qui a fait largement nos débats en décembre dernier. Le social, la santé, la prévention, l'éducation. Surtout, vous évitez soigneusement de rechercher des économies sur le train de vie du gouvernement 2006 et faites plutôt le choix de puiser par anticipation sur les résultats de l'exercice 2005, après avoir épongé durant cette même année la totalité des réserves qui avaient été constituées lors des exercices précédents. Nous nous interrogeons sur la pertinence de ce qui est susceptible de s'apparenter à une fuite en avant, en refusant de revoir vos priorités en matière de dépenses de fonctionnement et en maintenant en conséquence, coûte que coûte, les recettes de cette section à leur hauteur initiale, soit près de 131,8 milliards de francs. Mais bien sûr, puisqu'il faut intégrer le déséquilibre qu'a enregistré la Chambre territoriale des comptes, c'est sur la section d'investissement que vous avez décidé de faire peser l'effort en réduisant le montant des crédits de paiement de l'exercice, lesquels passent de presque 43 milliards à 41 milliards de francs. Pour justification de ce choix, le rapport évoque officiellement, je cite, « un souci de mettre en œuvre les mesures destinées à favoriser la politique de désendettement du pays ». C'est vrai, et nous l'avions dénoncé avec force en décembre dernier, que le montant global des emprunts autorisés atteignait cette année, malgré les critiques passées du travail sur la gestion du Tahoeira, sur ce point, un niveau record de 14 milliards, portant ainsi le montant global du capital emprunté à un niveau historique de plus de 82 milliards. Il est sans doute aussi une raison plus technique qui puisse expliquer votre décision de réduire le volume des emprunts nouveaux. Elle découle tout simplement, me semble-t-il, de la réduction de notre capacité d'autofinancement en 2006, donc d'emprunt. Cette baisse est tirée de la consommation anticipée en dépenses de fonctionnement de 2 milliards prélevés sur le boni de fonctionnement escompté au titre de l'année 2005 pour financer à due concurrence le déséquilibre constaté par le juge des comptes. Je suis par ailleurs convaincu que cette hausse du risque que nous représentant pour nos bailleurs de fonds, s'accompagne de la préoccupation à la fois technique et politique, celle-là, de préserver une bonne notation de l'agence Standard & Poor's, aussi élevée, si possible, que celle ayant pu être accordée à la bonne gestion du Tahoeira. Mais mon autre conviction est que la volonté affichée du désendettement n'est qu'un trompe-l'œil. Nous savons, depuis la lecture des déclarations du président de notre Assemblée dans l'édition des nouvelles de Tahiti du 1er mars 2005, que la vraie raison de cette option est tout autre puisqu'il s'agit, je cite, d'éviter de perdre du temps en matière de distribution de ces crédits par rapport aux priorités et aux besoins réels d'investissement. Traduit en termes vulgarisés, mes chers collègues, cela ne peut signifier à mon sens qu'une seule chose, tout faire pour éviter la foire d'empoigne entre les mystères et établir aux yeux du public une façade de consensus au sein d'une majorité en pleine fissuration.
De fait, on comprend mieux les propos particulièrement acerbes du ministre des Petites et Moyennes Entreprises ce samedi dernier au congrès du AIAP à l'égard de son collègue en charge du budget et des finances. Eh oui. Là encore, un tel choix peut prêter à discussion. En effet, faire le sacrifice de programmes pertinents d'investissement, c'est faire le choix de ne pas apporter de solutions concrètes à des besoins d'équipement dans les domaines de la santé, l'éducation, l'équipement en général. Enfin, c'est aussi de refuser de soutenir par la commande publique une économie déjà crispée, attentiste, pour ne pas dire en pleine récession. Nous l'avons vu aux recettes de la section de fonctionnement, la réduction des crédits attendus initialement de la GDE et des produits attendus de la taxe de consommation pour la prévention et de la taxe spécifique pour les grands travaux et routes est compensée à due concurrence par un prélèvement sur le résultat de fonctionnement attendu pour l'exercice 2005. Le gouvernement claironne que ce boni est enregistré du fait d'une très bonne tenue de nos rentrées fiscales pour nous faire croire à une économie en expansion. Je veux d'abord rappeler ici que la préparation du budget 2005 et de son volet fiscal résulte non pas du Taoui, mais du gouvernement Tahoeira pour la fin de l'année 2004 et du début de l'année 2005. Si satisfaction doit y avoir, convenez qu'il conviendrait d'en adresser au moins en partie le compliment acquis de droit. Soyez donc, mesdames et messieurs de la majorité, partageurs et beaux joueurs. D'autant que je me souviens au moment du débat sur votre premier collectif de vos propos unanimes selon lesquels il est impossible en cours d'exercice budgétaire de changer la couleur ou les orientations fondamentales d'un budget. Pour le reste, nous verrons exactement au moment de la présentation du compte administratif 2005 quelle est la bonne explication des choses, car vous nous avez si souvent jeté de la poudre aux yeux. D'ores et déjà, cependant, un résultat bénéficiaire sur la section de fonctionnement de 5 milliards de francs pacifiques, c'est un maigre succès au regard de ce qui a pu être atteint lors de certaines années de la gestion Tahoeira. Et en tous les cas, c'est très insuffisant pour remettre à flot les réserves du pays totalement mangées par vos décisions budgétaires en 2005. D'autant plus que le gouvernement devrait rester humble, je répète, humble et prudent. Car les indicateurs macroéconomiques dont nous disposons ne sont pas du tout favorables et sont même inquiétants pour certains d'entre eux. Ainsi, l'inflation des prix à la consommation constatée sur l'année 2003 a dérapé fortement. Pour atteindre 2003, le panier pour atteindre 2,3%, le panier de la ménagère se vide et son coût s'est accru de 3,6%. Celui-ci atteignait 3,3% pour les services. Les données de la fréquentation touristique sur l'année dernière sont mauvaises, comme d'ailleurs celles constatées sur le premier mois de 2006. Malgré toutes les déclarations triomphantes du ministre de l'Emploi, le marché de l'emploi a stagné autour de 63 000 travailleurs déclarés à la CPS sur 2 ans, laissant sur le bord du chemin au moins 6 000 jeunes. Il nous faudra attendre de connaître les vrais résultats du taux de croissance du produit intérieur brut pour évaluer la situation économique. Je conclurai mon propos par une observation qui peut avoir son importance. Des constats et une interrogation inhérente à la présentation budgétaire eu égard aux dispositions de l'article 4 de la Convention qui est le socle de la DGDE. L'observation que je souhaite faire est inhérente à l'application de l'article 5.1 de la Convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française au regard de son deuxième avenant venant d'être signé avec l'État. Vous savez que selon les dispositions de cet article modifié par l'article 2A de l'avenant, le pays est dans l'obligation d'informer l'État avant le 31 décembre de chaque année, je cite, du programme prévisionnel d'utilisation de la dotation globale. Matériellement, pour satisfaire à cette obligation, est annexé au document budgétaire, ce qui fut fait en décembre dernier, une fiche dénommée projet aidé par la dotation globale de la le développement économique, détaillant chaque poste d'utilisation de la DGDE et les sommes perçues qui leur sont allouées. En approuvant le budget, nous approuvons de fait cette fiche d'utilisation des ressources de la DGDE et autorisons donc le gouvernement à informer l'État de son contenu qui nous engage. Or, je suis au regret de devoir constater que le collectif qui nous est présenté ne comporte pas en annexe cette pièce corrigée.
des montants dorénavant admis au profit des programmes d'action en faveur de l'emploi. Dès lors, en approuvant comme telle cette délibération, nous ne ferons pas œuvre de rigueur et de sérieux, et nous ne sommes pas en mesure de satisfaire nos obligations contractuelles. Et l'État sera donc fondé à nous en faire le reproche, et peut-être même pire. S'agissant maintenant de mon premier constat, il est de relever que les dépenses en matière d'action en faveur de l'emploi s'exécutent pour partie, c'est-à-dire à peu près 4,7 milliards, à partir du sous-chapitre 953-10, autre intervention, et pour le reste, s'agissant du DARS, à partir du sous-chapitre 952-10, qui relève tous les deux de la section de fonctionnement. Le second constat tient en fait que la comptabilisation des recettes des ressources de la DGDE, dédiée à ces actions en faveur de l'emploi, s'opère, elle, au chapitre 927. Dédiée à ces actions en faveur de l'emploi, s'opère au chapitre 927, qui relève de la section d'investissement. Elles s'entendent dès lors comme des recettes d'investissement venant financer par un jeu d'équilibre entre les sections des recettes comptabilisées à l'article 787.1 de chacun des sous-chapitres de fonctionnement que j'ai déjà cités. Sachant que le collectif qui nous est présenté ne change strictement rien à cette présentation, seul le niveau des sommes en jeu étant mouvementé pour tenir compte de la nécessité du rééquilibrage demandé par la Chambre territoriale des comptes, je m'interroge sur la régularité au regard du second avenant de la DGDE signé avec l'État, dès lors que l'ensemble du dispositif juridique et financier a été mis à l'équerre. Je rappelle ici que la Convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française comporte en son sein deux volets financiers. L'un est dénommé vulgairement forfait CEP, il constitue selon les termes mêmes de la Convention article 2, dernier alinéa, une recette fiscale appelée à être versée au profit de la section de fonctionnement. Selon le premier alinéa de l'article 4 de cette même convention. Le second volet est constitutif de la dotation globale de développement qui a vocation à être versée selon l'article 4 alinéa 2 de la convention sur la section d'investissement du budget de la Polynésie française. À partir du moment où le pays, en vertu de l'avenant récemment signé article 3 et 6, est habilité à prélever sur cette dotation un certain pourcentage dégressif pour venir, je cite, la Convention, financer des dépenses de fonctionnement relatives au programme d'aide en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle. Je m'interroge sur le fait de savoir si ce prélèvement est ou non toujours constitutif d'une recette d'investissement ou dorénavant d'une recette à comptabiliser directement en fonctionnement. D'autant que la Convention est muette sur ce point, je souhaite donc connaître sur ce point l'analyse du gouvernement pour lever tout risque de contentieux à venir. Je vous remercie de votre attention. Merci. On poursuit avec les non-inscrits. Qui veut prendre la parole? Madame Nicole Bouteau. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonjour. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à l'examen de la première modification du budget 2006. Et dans un premier temps, je m'attarderai plus particulièrement sur le dossier de la dotation globale de développement économique sur la DGDE, puisque la modification qui intervient aujourd'hui, en tout cas pour une grande partie, concerne et fait suite aux observations de la Chambre territoriale des comptes du 13 février 2006. Alors, sur la DGDE, d'abord deux regrets quant à la gestion de ce dossier. Le premier, et j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, concerne en fait, je dirais, l'attitude de l'État, puisque comme mon collègue Philippe Schill, je pense que cet épisode malheureux aurait pu être évité si l'État avait soulevé la difficulté liée à l'utilisation de la DGDE avant le vote du budget en décembre dernier. Il en avait la possibilité, d'autant plus que le financement des mesures d'aide à l'emploi par la DGDE apparaissait dans les budgets 2004 et 2005 de l'ancienne majorité. Je pense donc qu'un accord aurait pu intervenir plus tôt. Première observation donc concernant l'État. La deuxième concerne le pays. Parce que j'estime également pour ma part que dans la gestion de ce dossier, la relation avec l'État me semble une condition incontournable,
Et c'est vrai que la presse est très attentive aux faits et gestes du gouvernement, mais également aux faits et gestes du président du pays. Elle joue tout simplement son rôle et nous permet également à nous, publics, mais également élus, d'apprécier un petit peu ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Alors, je ne sais pas si, effectivement, il ne s'agit que de rumeurs, mais j'ai pu lire dans une certaine presse que le président du pays aurait décliné pour raison d'élection à Tumara ou pour rencontre d'une reine polynésienne, décliné des rencontres avec le président de la République. Si c'est le cas, je trouve que c'est grave, parce qu'il me semble que l'agenda du président du pays doit pouvoir se caler avant tout sur celui du président de la République. Et le peu de déplacements que le président du pays a fait a réalisé en métropole nous démontre aussi que sur des dossiers aussi importants, les courriers ne suffisent pas. Il doit y avoir une négociation directe avec l'État, et il me semble que là aussi, un pas aurait pu être fait. Sur le fond du dossier, j'aurai les mêmes remarques qu'un certain nombre de mes collègues, puisqu'il a été indiqué, effectivement, et je l'ai lu, je n'y étais pas, qu'à la clôture de l'exercice 2005, eh bien, des économies auraient été faites sur ce même exercice. Alors, Monsieur le Vice-président, même question que mes collègues. Quel est le montant des recettes fiscales supplémentaires constatées par le pays? Et ensuite, quelles sont les économies qui ont été réalisées sur les dépenses de fonctionnement? Si ce qui a été dit en commission, c'est-à-dire une enveloppe supplémentaire de 5 milliards est vérifiée, enfin que vous nous le confirmez, eh bien j'adhère également au fait qu'il devrait y avoir une redistribution de cette enveloppe sur les secteurs clés et vitaux, et je crois que nous nous étions suffisamment exprimés dans le cadre de la session budgétaire, sur des secteurs vitaux comme celui de l'éducation, comme celui de la santé, comme celui du social. Je serai plus précise sur le dossier de l'éducation, puisque le ministre de l'Éducation nous avait indiqué qu'il ne disposerait en investissement que d'une enveloppe de 278 millions pour réaliser les constructions nouvelles, mais également pour tout ce qui est maintenance des établissements scolaires. Je crois qu'il a besoin d'être aidé, parce qu'il ne pourra rien faire sur l'ensemble de la Polynésie avec 278 millions. Je passe sur la santé et le social. Je crois que je me suis suffisamment exprimée sur ce sujet. Deuxième remarque, vous auriez pu également intervenir sur une diminution des dépenses de fonctionnement. Ça a été un sujet cher, mais... Oui, cher, effectivement, c'était un jeu de mots. Ce n'était pas un jeu de mots. Vous auriez pu effectivement diminuer les dépenses de fonctionnement de votre gouvernement, mais là je vois qu'il n'y a aucun geste qui est fait de ce côté. Et enfin, le 14 février dernier, suite aux observations faites par la Chambre territoriale des comptes, j'étais intervenue pour préconiser une diminution de l'enveloppe d'emprunt nouveau, votée par la majorité à hauteur de 14 milliards, et je vois que la majorité, en fait, a choisi cette voie également de diminuer des emprunts pour une réduction à terme de la dette comptable du pays. Sur l'ensemble du dossier, s'agissant en fait d'une modification qui tient compte avant tout des observations de la Chambre territoriale des comptes, mais également des conséquences des recours qui ont été déposés par le Tahoeira et la Fédération générale du commerce, je m'abstiendrai également sur ce dossier. Merci. Merci. Monsieur Edouard Fritsch. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je voudrais adresser nos salutations à vous-même d'abord, Monsieur le Président, ainsi qu'aux représentants du gouvernement ici présent, au vice-président, et à tous nos collègues de l'Assemblée de Polynésie. Monsieur le Président, je commencerai mon propos par vous demander de transmettre tous nos voeux et toute notre sympathie au président du pays, puisque, si je me rappelle bien, ce fut le 3 mars dernier qu'il fut élu ici dans cette assemblée, et nous étions persuadés que cette session extraordinaire avait été provoquée pour qu'il puisse fêter avec nous ce premier anniversaire de son accession au pouvoir.
Malheureusement, il nous snobe et il a décidé de fêter cet anniversaire avec ses frères et sœurs rotongiens, oubliant de ce fait donc ceux qui l'ont élu. Mais enfin, transmettez-lui toute notre sympathie. Lors de la discussion budgétaire au mois de décembre dernier, vous nous aviez déjà promis, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, ministre des Finances, un collectif budgétaire dès le début de l'année, notamment pour répondre à toutes les demandes qui avaient été formulées lors de cette discussion et qui n'avaient pas pu être satisfaites au travers du budget primitif. Voici donc ce premier collectif budgétaire. Et notre surprise a été grande de constater qu'il se limite à prendre en compte les remarques de la Chambre territoriale des comptes, chambre qui a constaté que le budget donc, que vous aviez voté n'était pas en équilibre. Nous aurions sans doute pu nous passer de cette délibération si vous aviez bien voulu à l'époque suivre nos observations et nos remarques. Nous sommes surpris car vous vous contentez de boucher les trous de la section de fonctionnement. Vous disposiez pourtant, et je crois qu'il faut bien le préciser, d'une manne de 1,7 milliard que vous auriez pu affecter à la création de nouveaux programmes dans la section d'investissement. Vous n'avez pas fait ce choix pour ne pas créer, nous pensons en tous les cas, de nouvelles dissensions au sein du gouvernement. Ce faisant, vous allez faire des déçus. Le gouvernement s'était engagé dès son premier collectif à répondre aux revendications de certains élus de notre Assemblée qui avaient estimé que certaines préoccupations de la population n'avaient pas été prises en compte dans le budget primitif. On vient de l'entendre encore de la bouche de certains de nos représentants. Les promesses ne sont pas tenues. Mais il est vrai que le gouvernement a contourné le problème et pourra toujours nous expliquer qu'il n'est pas engagé par ce collectif budgétaire puisqu'il n'en est pas l'auteur. C'est une première. Le gouvernement n'a pas jugé utile de déférer aux recommandations de la Chambre territoriale des comptes. Il a confié cette tâche à l'Assemblée, et ce n'est pas anodin, et cela traduit bien l'état d'esprit de M. Oscar Temaru à la suite du déféré de l'État et des remontrances de la juridiction financière. Que le gouvernement n'ait pas voulu assumer ses erreurs est une chose, qu'il n'ait pas voulu assumer ses promesses en est une autre à laquelle nous sommes habitués. Ceux qui ont voté le budget en croyant à des lendemains qui chantent apprécieront. Par contre, nous sommes inquiets que le gouvernement n'ait pas daigné, au travers de ce collectif, prendre en compte les charges financières supplémentaires qui incombent au pays et qui n'ont pas été prévues dans le budget primitif. Je veux parler, naturellement, puisque le sujet est à la mode, des incidences de la réforme de l'OTRA sur le budget de nos collectivités publiques. Vous le savez, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président, et les maires en ont encore fait état hier, lors d'une conférence de presse, l'effet conjugué de la réforme des cotisations sociales et de la mise en place de la prime à l'emploi qui a une incidence négative sur le budget des communes. Contrairement à ce qu'avait annoncé initialement le gouvernement, la baisse annoncée des charges sociales dans le secteur public ne suffit pas à compenser l'augmentation des salaires liée au paiement de la prime à l'emploi. Votre réforme fait perdre de l'argent aux communes. Votre gouvernement s'est montré méprisant à notre égard lorsque nous en avons fait la démonstration. Puis vous avez fini par le reconnaître officiellement. Le communiqué du Conseil des ministres du 22 février prend acte de cette erreur de calcul de votre part, puisqu'il demande aux communes de puiser dans le FIP pour réparer vos errements. Les maires, donc, ont fait part de leur opposition à votre pseudo-solution et vous demandent d'assumer pleinement les charges nouvelles que vous leur avez imposées sans aucune concertation. Mais allons plus loin. Et c'est là où nous sommes concernés tous ici. Votre réforme est un échec. Vous comptiez la faire financer par l'impôt et notamment par une augmentation de la CST. Devant le refus des salariés, vous avez dû trouver en catastrophe une autre solution. Cette solution, c'est d'alourdir la participation des collectivités publiques. Et je ne parle pas seulement des communes. Sans nul doute, c'est le budget du pays qui sera le plus mis à contribution.
Les augmentations des charges que nous connaissons dans nos communes, vous les connaissez, et dans une plus forte proportion au sein de l'administration du pays et de tous les services publics. Vous voulez nous cacher cette réalité, mais puisque tous les services publics relèvent des mêmes taux de cotisation, qui globalement sont plus élevés que dans le secteur privé, il ne faut pas être un super vice-président ministre des Finances pour savoir que les charges de personnel ont subi une sérieuse augmentation depuis le 1er janvier. Vous ne l'aviez pas prévu. Nous nous attendions au moins à ce que ce collectif budgétaire prenne en compte l'augmentation de ces charges. Nous nous attendions à ce que le gouvernement nous annonce quel était le montant des dépenses supplémentaires que le pays devrait prendre en compte pour assumer les effets incontrôlés de sa réforme au TRA. Il n'y a pas de dépenses nouvelles, mais vous refusez de le dire à notre Assemblée. Pourquoi? Ce serait reconnaître que vous avez menti aux Polynésiens. Ce serait reconnaître que vous avez menti aux élus. Ce serait reconnaître que vous avez voulu nous cacher que vous faites porter la charge de votre mauvaise gestion sur l'ensemble des Polynésiens. Vous persistez dans vos petites cachotteries, pour ne pas dire dans vos magouilles. Si ce n'est pas le cas, dites-nous combien coûte au budget du pays cette réforme au TRA. Inscrivez dans ce collectif cette dépense supplémentaire, abondez les budgets des établissements publics qui vont cruellement souffrir puisque vous avez amputé leur dotation, déjà amputé leur dotation de 10%. Donc, Monsieur le ministre, nous demandons simplement que vous nous disiez la vérité. En l'état, nous ne pouvons pas voter ce collectif budgétaire car il nous conforte dans le fait que votre budget n'est pas un budget sincère. Je vous remercie de votre attention. Merci. Au titre des non-inscrits, plus d'intervenants. Donc on poursuit. L'intervenant de l'UPLD, M. Jean-Michel Calson. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président du pays, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs du public, Yorana. Le représentant de l'État nous a fait savoir que la partie du budget critiquée n'a pas été établie avec sincérité. Eh bien, je souhaite vous donner une interprétation sincère de ce compte-rendu de la Chambre territoriale des comptes à propos du budget 2006. Et soyons sincères, si vous le permettez, nous sommes aujourd'hui le 3 mars 2006, soit plus de 2 mois après que le budget a été voté dans cet hémicycle. Et pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'un déséquilibre du budget a été constaté le 13 février 2006. Quelle est la cause de ce déséquilibre? Le ministre des Finances, que le Tahoued a traité de magicien, nous aurait-il pas fait un vilain tour de passe-passe? Non, c'est vraisemblablement pas. Entre les thèses extraterrestres et les tours de magie du Taoui, le Tahoueda relève le niveau de la politique dans notre pays, comme nous pouvons le constater. Ceci dit, on aurait pu croire qu'entre le 14 décembre 2005 et le 9 février 2006, le budget a été déséquilibré par un coup de baguette magique. Mais si ça a été le cas, les quotidiens de la place en auraient fait sans doute la une. Plus sérieusement, il faut rappeler que les conclusions de la Chambre territoriale des comptes relèvent d'une analyse conjoncturelle. En effet, la Chambre statue en fonction des éléments dont elle dispose au moment où elle rend son avis, à savoir le 13 février 2006, alors que je vous rappelle que nous avons adopté le budget 2 mois auparavant, soit le 13 décembre, et que, bien entendu, comme nous ne lisons pas dans le mat de café pour savoir ce qui va se passer dans les 2 mois à venir, ce serait d'ailleurs un exercice particulièrement difficile quand on connaît l'esprit tortueux de certains leaders de l'opposition. La Chambre a reconnu elle-même dans son avis que la jurisprudence estimait qu'un budget était équilibré lorsque les élus l'avaient voté au vu d'une appréciation sincère des recettes et des dépenses à la date du vote.
J'insiste sur ce point. C'est à la date du vote qu'on sait si oui ou non un budget est sincère, pas après. Or, à la date du vote, nous ne savions évidemment pas que nos chers amis du Tahoeira seraient pris d'un pluricontentieux. Le Tahoeira, fidèle à ses manœuvres, a déposé la bagatelle de 6 recours qui a engendré une perte de recettes estimée à 300 millions de francs. Je rappelle que, pour notre part, en 2005, nous n'avons évité de jouer ce petit jeu afin de ne pas bloquer le fonctionnement des institutions. Manifestement, d'autres n'ont pas eu ces pudeurs, mais c'est sans doute ça dans leur esprit être compétent. Le plus affligeant dans cette affaire, c'est la funèbre démonstration que le Tahoeira, même lorsqu'il n'est plus aux affaires, coûte cher à la collectivité. Nous ne savons pas non plus que l'État a l'air sans doute atteint du même prurit. Contester notre budget alors qu'un silence assourdissant avait entouré le vote des budgets 2004 et 2007 et aussi équilibrés en section de fonctionnement avec les crédits de la DGDE. Ce n'est pas moi qui critique le silence de l'État sur ce point, c'est la Chambre elle-même. Je rappelle que la signature d'un avenant à la Convention du 4 octobre 2002 a été soumise à notre gouvernement plus d'un mois après le 1er janvier 2006. Cet avenant postérieur à la mise en vigueur du budget et ses recours antérieurs, mais non validés au 1er janvier 2006, ont amené la Chambre territoriale des comptes à conclure ceci. Une partie du budget 2006 n'est pas établie avec sincérité. Pour celles et ceux d'entre vous qui comprennent mieux le sport que la loi, c'est comme un peu un match de football où l'arbitre changerait les règles du jeu à la fin du match pour qu'elles soient plus sincères. Mais nous savons que impossible n'est pas français. On peut donc décider de réduire les dépenses de fonctionnement d'un budget à 35% deux mois après que les 57 représentants de cette Assemblée eurent discuté et voté ce budget dont les dépenses de fonctionnement n'étaient pas limitées à la loi des 35%. C'est clair, c'est légal, c'est honnête, mais surtout, c'est sincère. Pourtant, le 14 décembre 2005, le budget Taoui était sincère. Le 25 décembre, jour de Noël, il était toujours sincère. Le 12 janvier, il était encore sincère. Le 26 janvier, à 18h30, le budget Taoui était encore équilibré. Le 9 février 2006, il ne l'était plus. Comme par magie, avant de suivre le conseil de la Chambre territoriale des comptes, revoyons ensemble ce tour de magie de passe-passe au ralenti. Ensuite, je vous proposerai un aperçu positif de ce nouveau collectif. Les coûts des recours déposés sont estimés à 300 millions. Mesdames et messieurs du Tahoeira savent bien de quoi il s'agit. Car en déposant des recours contre les lois du pays qui ont été votées entre le 1er et le 8 décembre 2005, ils savaient pertinemment quelles en seraient les conséquences budgétaires. Et pourtant ces recours n'avaient et n'ont de véritable valeur que lorsqu'ils sont validés par le Conseil d'État, qui a 3 mois pour se prononcer. Le commissaire du gouvernement a rejeté tous les recours du Tahoeira. Aujourd'hui, nous pouvons tous supposer que le Conseil d'État suivra son commissaire du gouvernement, d'autant qu'il faut dire que, dès le départ, le peu de sérieux des recours ne laisse guère de doute à leur issue. Dans ces conditions, sur la période même où la Chambre territoriale des comptes a évalué ce budget, ces lois de pays auraient dû être considérées comme partie intégrante du budget prévisionnel. J'aimerais bien m'adresser à M. Tétouanoui pour lui dire que non, la Chambre territoriale des comptes ne prouve pas que le Tahoeira ait raison, que ce budget n'a pas été fait dans la précipitation
ni en amateurisme, mais plutôt, et en toute sincérité, la Chambre territoriale des camps nous a démontré que les recours déposés par les représentants de votre parti ont contribué au déséquilibre du budget 2006. Je répète, l'équilibre réel d'un budget s'apprécie à la date à laquelle il a été adopté. En ce qui nous concerne, c'était le 13 décembre 2005. Sachez donc que le Conseil constitutionnel a décidé le 29 décembre 2004 que, je cite, les prévisions de recettes doivent être initialement établies par le gouvernement au regard des informations disponibles à la date du dépôt du projet de loi de finances. Ce qui vaut pour le Parlement, pour l'Assemblée nationale et le Sénat ne vaudrait pas pour la Polynésie française, curieuse manière de justifier l'unité de la République. Deuxième cause de ce déséquilibre m'interpelle tout autant. Mais là, je voudrais féliciter Mme Bouteau, la seule représentante dont les arguments contre le budget en décembre se sont alignés sur ceux de la Chambre territoriale des comptes. En effet, Madame la représentante reprochait au gouvernement des dépenses de fonctionnement excessives. Voilà donc la cause principale de ce déséquilibre. Ce qui est incroyable, c'est que pour la première fois dans notre pays, un gouvernement taoui a décidé de réduire de 10% les dépenses de fonctionnement dans tous les ministères. D'ailleurs, je me souviens bien des diatribes infatigables de Mme Merceron, scandalisée qu'on réduise autant le budget de certains ministères qu'elle vient de rappeler. Et ce qui est magique, c'est qu'on reproche à ce gouvernement d'avoir des dépenses de fonctionnement excessives. Par philosophie taoui, par esprit d'ouverture, nous devions sans doute suivre les conseils de notre collègue représentant Buissou, qui nous conseille de réduire les dépenses du parc automobile qu'on a lu dans la presse. Ah oui, en toute sincérité, c'est une excellente idée. À en croire le rapport de gestion de la présidence de Gaston Floss, le parc automobile est en effet très coûteux. Sachez donc que les voitures du précédent gouvernement dépensaient jusqu'à 300 000 francs par mois d'essence et que notre petite île était beaucoup plus grande il y a 5 ans, puisque les voitures du gouvernement roulaient jusqu'à 20 000 km par mois. Il faut le faire. Oui, j'en conviens, réduire les dépenses du parc automobile aurait été une excellente idée à l'époque où le Tahouera régnait. Une proposition très sincère qui réglerait en partie cet excès budgétaire de nos dépenses de fonctionnement. Je tiens à vous rappeler, mesdames et messieurs les représentants, la petite histoire de notre section de fonctionnement. Cette petite histoire vaut le détour, elle est passionnante. Le 4 octobre 2002, une convention est signée entre l'État et la Polynésie française. Il faut maintenir de façon permanente le niveau des flux financiers qui résulterait de l'activité du CEP. Dans cette convention, à l'article 7 au 3e alinéa, il est écrit noir sur blanc que la DGDE intervient dans les programmes d'aide à l'emploi. Il me semble que c'est assez explicite. La DGDE ne se réduit pas qu'à financer exclusivement les investissements, mais la DGDE contribue également à financer les aides aux créations d'emplois, comme le DAS, lancé par M. Buissou et immortalisé par le Taoui. S'agissant du troisième alinéa de l'article 7 de la Convention du 4 octobre 2002, la DGDE peut financer des actions prévues des chapitres du secteur social et du secteur travail à hauteur de 4,7 millions environ au lieu de 4,4 millions, comme il était initialement prévu au 1er janvier 2006. Une précision également, s'agissant de notre propre règlement comptable, l'article 10 de la délibération du 23 novembre 1995 précise que les dépenses de fonctionnement comprennent, je cite, les interventions de la Polynésie française, notamment en matière économique, sociale et culturelle. Autrement dit,
Si nous avions inscrit en section d'investissement des dépenses de soutien à l'emploi ou à l'économie, nous aurions été en infraction avec notre propre réglementation comptable et notre budget aurait été, pour le coup, vraiment illégal. On se demande si les responsables du territoire qui ont rédigé la convention de 2002 savent lire et écrire. Marius, au secours. L'avenant signé à la convention 4 du 4 octobre 2002, postérieurement à la mise en place du budget 2006, nous impose désormais une limitation de 35% du montant de la DGDE à la section de fonctionnement, soit une diminution nécessaire d'environ 1,7 million, comme vous le savez. Ce qui m'interpelle à propos de cette convention, comme je le vous disais tout à l'heure, c'est le manque de bonne foi de l'opposition. Pendant des années, l'ancien gouvernement a cuisiné à sa guise l'équilibrage de ses budgets. La plus grosse erreur qu'on puisse reprocher au gouvernement Taoïd aujourd'hui, c'est d'avoir fait la même chose en matière d'équilibre budgétaire que son prédécesseur, qui avait accordé, si je ne m'abuse, à la section de fonctionnement environ 50% de la DGDE. Et l'État n'avait pas jugé opportun de s'y opposer lorsque l'opposition était au pouvoir. Mais qu'importe. Bien que nous ayons un certain sentiment d'injustice, nous qui sommes respectueux des décisions de justice, c'est ça aussi le Taoui, acceptons de suivre les recommandations de la Chambre pour le budget Taoui 2006. Le budget rectifié n'est d'ailleurs pas difficile à établir puisque, en dépit des sombres augures des esprits tortueux, nous avons suggéré le budget 5 avec maturité, ce qui a permis de dégager des excédents imprévus que nous allons pouvoir utiliser avec la même rigueur. Et nous pouvons compter sur notre ministre des Défenses, des Finances pour le faire. Aujourd'hui, on nous soumet par voie de l'État un avenant réduisant cette dépense à 35% du montant de la DGE. Nous l'avons signé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes humbles et prudents, comme l'a dit Noah, ouverts à toutes les négociations et que nous préférions rechercher un compromis même passable plutôt qu'un conflit ouvert. Nous avons signé cet avenant parce que nous pouvons vous prouver, mesdames et messieurs du Tahoeira, que malgré vos tours de passe-passe, le fruit de notre travail viendra malgré tout à maturité. Et grâce à la signature de cet avenant qui clarifie les choses, nous allons pouvoir rembourser par anticipation des emprunts de la dette. Comme vous le savez, la section recettes-investissement est en partie financée par des emprunts. Le déplacement de ces 1,7 milliard n'empêchera pas les projets de Taoui de se concrétiser. Tout ce qu'il advient réellement de cette conclusion de déséquilibre de notre budget Taoui, c'est ce tableau que nous allons adopter aujourd'hui, un transfert de 1,7 milliard dans la section d'investissement. Ainsi, le transfert de 1,7 milliard de la section de fonctionnement vers la section d'investissement ne portera pas atteinte aux priorités du gouvernement Taoui, qui est celle notamment de l'aide à l'emploi. Cependant, la modification budgétaire sur laquelle nous nous penchons aujourd'hui est purement formelle. Et si ces 7,7 milliards sont amputés à la section de fonctionnement, la section de fonctionnement et notamment les secteurs social et travail ne seront aucunement touchés. Nous prévoyons de mettre en place et maintenir les aides à l'emploi pour faciliter l'intégration sur le marché du travail de nombreux jeunes, mais aussi les personnes les plus démunies. En conclusion, je voudrais dire que nous sommes donc aujourd'hui ici le 3 mars, soit 2 mois après que le budget a été voté dans cet hémicycle. Et pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Eh bien, nous sommes réunis pour constater que le Tahoeira est toujours et encore de mauvaise foi. Et si le gouvernement Taoui a un parcours semé d'embûches, c'est tout simplement que, camouflés dans leurs tranchées, les représentants du Tahoeira nous lancent des pots de feuillis sur la route et, si vous préférez, des recours onéreux.
nous sommes réunis pour constater que la Chambre territoriale des comptes a trouvé qu'une partie du budget de Taoui n'était pas sincère, et ceci avec une sincérité circonstancielle, étant donné qu'elle n'a ni considéré les postériorités et les antériorités. Le mot « sincère » a donc une définition propre en matière législative qui n'est pas la mienne. Nous acceptons cette décision de la Chambre territoriale des comptes qui nous a permis de clarifier la convention du 4 octobre 2002 et qui contribuera à une baisse par anticipation de certains emprunts de la section investissement. La section fonctionnement ne sera pas pour autant lésée. Les projets du gouvernement sont lancés et nous n'abandonnerons pas nos objectifs qui sont de lancer l'emploi, de faciliter l'intégration de nos jeunes sur le marché du travail. Nous pouvons constater, grâce au gouvernement Taoui, la convention du 4 octobre 2002 a été précisée une bonne fois pour toutes, ce que l'opposition s'est bien gardée de le faire quand elle était au pouvoir. En dépit de cette modification budgétaire, le financement des aides à l'emploi ne partira pas sous la soustraction des 1,7 milliard, mais au lieu d'être financé par la DGDE, le programme d'action pour l'emploi sera financé par le pays. Et c'est un acte non seulement symbolique, mais volontaire, car ce financement pour l'emploi par le pays devra permettre à la Convention pour insertion par l'activité, la CEPIA, ou en contrat emploi durable, CED, à l'incitation fiscale pour l'emploi durable, FIDE, de porter leurs fruits. Nous sommes donc prêts à mettre la main à la poche pour mettre en place ces dispositifs, car notre objectif encore est toujours à la valorisation de notre marché du travail. Malgré la mauvaise foi de certains politiciens, la politique du gouvernement Taoui est de faciliter l'intégration de nos jeunes dans le monde du travail, de réduire les inégalités sociales et n'oublions pas les plus démunis de notre pays. Il n'y a rien de magique à tout cela, juste un peu de bon sens, de bonne volonté de notre part, mais surtout et certainement une très grande sincérité dans le rééquilibrage du budget Taoui 2006. Mesdames et messieurs les représentants, je vous remercie de m'avoir écouté. Maruru Mekai, on poursuit notre séance. La parole est au vice-président, ministre des Finances. Maruru, président Yorana, madame la présidente de la commission des Finances Yorana, mesdames, messieurs les représentants, bonjour. Mesdames, messieurs de la presse, bonjour. Mesdames, messieurs les visiteurs Yorana. Je dois vous dire, monsieur le président, que lorsque j'écoute les déclarations des uns et des autres, je ne sais pas s'il faut sourire ou pleurer. En fait, un des premiers reproches que l'on vous fait aux représentants de l'Union pour la démocratie à l'Assemblée de Polynésie française, c'est d'avoir la capacité de présenter une proposition de délibération. Si vous ne l'aviez pas fait, on vous aurait accusé d'être à la botte du gouvernement, à la solde du gouvernement. D'un côté, vous êtes des marionnettes. De l'autre côté, c'est le gouvernement qui fuit ses responsabilités. Donc il faut savoir. Et je voudrais véritablement vous féliciter et féliciter les rapports pour la limpidité de leur rapport. Je pense que, écrit comme ça, il n'y a plus matière à débat. Il faudrait passer au vote immédiatement. Et ce que je voudrais simplement dire, Monsieur le Président, et je ne vais pas allonger nos débats, car vous avez une séance extrêmement chargée, c'est que j'ai eu la surprise ce matin, peut-être vous aussi, de lire dans un des quotidiens de la place une déclaration extrêmement surprenante. Et avec votre permission, je voudrais la reprendre. Si elle était exacte, ça mériterait que l'on y réfléchisse. Et c'est dans un des journaux, dans un des quotidiens du pays, Les Nouvelles de Tahiti, à la page 3 du vendredi 3 mars,
la déclaration de l'avocat du Tahoeira, M. Quinquis, quelqu'un que je ne connais pas, mais j'ai lu sa déclaration. Et si elle était exacte, messieurs du Tahoeira, vous devriez avoir quelques frissons pour l'avenir. Ce monsieur dit, je trouve extrêmement dangereux que les magistrats, l'autorité judiciaire, tout comme la Chambre territoriale des comptes, se substituent aux responsables politiques pour dire de façon péremptoire ce qui est bénéfique pour le pays. Extraordinaire. Extraordinaire. À l'écoute de cet avocat, le Tahoeira, dans son intégralité, devrait voter pour la proposition de libération, puisque ce n'est pas à la Chambre territoriale des comptes à dire aux politiques ce qu'il a à faire. Surprenant. Vous faites semblant de ne pas comprendre, mais vous devriez vous interroger. Et j'espère que les magistrats ont apprécié. D'ailleurs, ils auront l'occasion de se prononcer bientôt sur un certain nombre d'affaires qui ont été dans ce journal également, me semble-t-il, mises à la une. Ça me semble un peu fort de café. Mais enfin, la deuxième réflexion qui m'anime, Monsieur le Président, c'est que, à écouter les représentants du Tahoeira, et après un paragraphe de philosophie sur la démocratie, je serais en train, au nom du pays, de cacher quelque chose aux représentants du pays. En fait, ce qui me semble surprenant, c'est que, à moins que nous n'ayons pas les mêmes lectures des textes, j'ai simplement appliqué une délibération qui a été votée par le Tahoeira. Cette délibération a été votée le 23 novembre 1995, et vous en avez donné la référence, c'est la délibération 95-205. Cette délibération 95-205, votée puis cuisinée à longueur d'année par le Tahoeira Huilatira, dit à son article 32, s'il vous plaît, Monsieur Fritsch, attendez votre tour, vous êtes un petit effronté ce matin. Pouvez-vous attendre votre tour? Alors, à l'article 32, il est dit ceci, jusqu'au vote du compte administratif, le prélèvement sur l'excédent de clôture de la section de fonctionnement ne peut excéder 50% du montant de celui-ci, tel qu'il ressort de la comptabilité de l'ordinateur. Ce que j'ai fait, je suis allé vérifier la comptabilité de l'ordinateur et je peux vous certifier que la somme des 2 milliards qui vous est proposée ne dépasse pas les 50% du report. Elle se situe, cette somme, entre 0% et 50%. Donc là, je peux m'engager. Et ce qui me semble aussi intéressant, mesdames, messieurs du Tahoeira, c'est qu'à partir de cette somme qui représente un certain pourcentage, le pays sera à nouveau capable, dans un certain laps de temps, de vous faire des propositions encore plus concrètes et à ce moment-là de débattre d'une façon approfondie d'un certain nombre de perspectives qui pourraient être soutenues à la fois par l'opposition et par la majorité. Donc, Monsieur le Président, il est un peu fort de café de reprocher à un ministre des Finances de l'UPLD d'exécuter une délibération votée par le Tahoeira Huilatira. Vous vous foutez de notre tête, là. S'il vous plaît, vous laissez le vice-président intervenir. Merci, Monsieur le Président. Ensuite, sur la façon dont nous avons procédé, ce collectif, vous l'avez remarqué, est un collectif technique qui résulte de l'avis de la Chambre territoriale des comptes. Et je ne vais pas jeter la pierre à la Chambre territoriale des comptes. Vous avez décidé par une proposition de délibération de reconnaître et d'appliquer cet avis. Je vous en félicite. On nous demande de rectifier notre budget à hauteur de 2 milliards parce qu'essentiellement, nous n'avions pas à toucher
sur la DGDE pour le 1,7 milliard, nous obtempérons. Nous le faisons. Et au lieu de consommer le crédit d'investissement supplémentaire par un emprunt, nous le consommons tout simplement parce que la DGDE nous donne. Et ça nous permet naturellement de baisser notre endettement. Et je voudrais m'adresser à Mme Bouteau et à M. Philippe Schill pour leur demander d'être courageux. Allez jusqu'au bout de votre réflexion. Votez avec nous, ce collectif. Nous allons dans le sens de la réduction de notre endettement. Vous devriez vous en réjouir. Nous sommes de moins en moins riches de l'argent des autres. Voilà le résultat de cette opération. Donc, pour être logique avec vous, vous devriez nous soutenir. Allez jusqu'au bout de votre réflexion. Nous vous permettons aujourd'hui de mettre vos déclarations en accord avec vos actes. Donc, Monsieur le Président, le débat d'aujourd'hui est un débat sur cette proposition de délibération, pas sur autre chose. Je ne répondrai pas à toutes les questions qui n'ont pas à voir avec notre proposition. Donc, je voudrais à nouveau vous féliciter et vous suggérer fortement de passer à la proposition de délibération. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Nous passons à la délibération et je demande au rapporteur de bien vouloir nous donner lecture de son article premier. Article premier. Les recettes ordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2006 sont modifiées comme suit. Total chapitre 953. En plus, zéro, en moins, 1,709,820,000. Merci. La discussion est ouverte, Madame Armelle Merceron. Merci, Monsieur le Président. Bon, à écouter Monsieur Jacky Drolet, on pourrait s'inquiéter qu'il ait tant de fonctions ministérielles parce que je crois qu'il comprend pas la question. Nous n'avons absolument pas, et Madame Algan avait la même position que moi, et on s'était pas du tout concerté. Nous ne contestons pas le fait que vous puissiez ponctionner sur les réserves de l'exercice précédent jusqu'à 50%. Mais ce que nous n'acceptons pas, l'excédent, oui, puisqu'il n'y a plus de réserve. Bon. L'excédent à hauteur de 50%. Mais nous voulons que vous nous disiez, puisque vous n'avez pas été présent en commission et que vous aviez interdit à votre technicien de nous le dire, dites-nous aujourd'hui, tout simplement, sans faire des manières, parce que ce n'est pas autre chose que des manières, ou alors c'est un peu inquiétant, dites-nous tout simplement quel est le résultat provisoire de l'exercice 2005 et nous ferons l'application de la proportion de 50%. Et si effectivement la somme que vous prélevez est inférieure à 50%, eh bien nous la bouclerons. Mais pour l'instant, vous êtes là, vous êtes ministre parce que nous avons été élus et qu'il y a une majorité d'entre nous ici qui a élu votre président qui vous a choisi. Donc arrêtez de faire le supérieur et dites-nous tout simplement, parce que nous y avons droit, le montant de cet excédent et puis c'est tout. Merci, Madame Nicole Bouteau. Oui, Monsieur le Vice-président, je vous ai bien entendu. Alors, effectivement, autant je me suis réjouie du fait que le gouvernement ait pris l'option de diminuer l'enveloppe d'emprunt, autant il me semblait tellement évident qu'aujourd'hui vous alliez nous répondre. C'est une question de principe. Je vous renvoie, vous allez nous dire qu'on focalise sur des sondages d'opinion. Moi, j'ai compris le résultat du sondage concernant le contrôle budgétaire comme une volonté de la population de transparence. Cette transparence que nous avions réclamée au Tahuir Ahuir Atira et que nous vous demandons aujourd'hui. Est-ce que c'est secret d'État de connaître l'excédent de la section de fonctionnement? Pourquoi est-ce que vous ne nous l'indiquez pas? Vous nous demandez de voter, et en plus, vous nous demandez de, alors en fait, quasiment de vous faire un chèque en blanc. Mais vous nous demandez de vous croire sur parole. Donnez-nous les chiffres. Qu'est-ce que ça vous coûte? Je trouve encore une fois, et on avait eu l'occasion de voir cette attitude dans le cadre de la session budgétaire,
malheureusement que vous nous considérez un peu avec mépris, monsieur le vice-président, et je regrette que systématiquement nous soyons obligés, enfin, vous nous considérez comment ? C'est systématique, quasiment. Alors, nous n'avons pas le droit à cette transparence, et j'espère effectivement que les téléspectateurs et que le public qui est là auront bien noté que vous refusez cette transparence par rapport à des informations qui devraient nous être données. Vous faites référence à une délibération qui indique effectivement un certain nombre de dispositions sur le prélèvement possible. Donnez-nous les éléments qui nous permettent de voter. Monsieur Nouat est ennuyé. Madame Pertini, Monsieur le ministre, lorsqu'il y a une commission des finances, essayez au moins d'être présent. Ça a été des critiques depuis 5 ans maintenant. Essayez de faire un effort. Mais la question, et ça je rejoins mes collègues, la question qui a été posée notamment aux techniciens, et c'était dommage que vous ne soyez pas là, c'était sur cette, on pourrait appeler, réserve pour cette année 2006, prévue notamment pour le mois de décembre, pour l'année 2005, et réserve ou excédent. Monsieur le Président, lorsqu'on avait posé cette question-là aux techniciens, les techniciens étaient gênés, vraiment gênés de nous donner cette information. Il faut attendre la réponse du ministre en séance plénière. Il faut éviter ces propos, monsieur le ministre, parce que nous avons besoin, parce que les 2 milliards qui étaient ponctionnés notamment sur les... notamment sur l'excédent, servait un petit peu de pivot pour mettre à l'équerre notamment ce qui a été proposé par la Cour des comptes. Monsieur le ministre, je vous demande pour la prochaine fois éviter cette confrontation notamment au niveau de la commission interne. Sinon, ça ne sert à rien de venir dans la commission interne. Je préfère qu'on vienne directement ici en session plénière pour demander des informations. Malou, monsieur le président. Très bien, monsieur Jean-Pierre Sauvichou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président du pays, Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Monsieur le Président, je ne souhaitais pas intervenir parce que je me rappelle de l'époque où nous avions discuté sur le budget de la Polynésie pour 2006 et de la suffisance du vice-président dans ses réponses aux questions posées par les représentants de l'Assemblée. Alors, je constate encore ce matin que M. Jacky Drolet nous tient encore ce type d'attitude, j'entendais désinvolte, mais d'une grande suffisance, comme si finalement sa fonction de vice-président lui octroyait des privilèges, et ses privilèges étant de répondre ou de ne pas répondre en fonction de son état d'esprit. Et je me pose d'ailleurs la question de savoir si c'est en fonction de son état d'esprit ou de sa capacité à pouvoir répondre réellement aux questions. Parce que je me rappelle que lors des discussions budgétaires, j'avais posé une question sur le taux d'endettement de la Polynésie et il a été dans l'incapacité de répondre à une question aussi simple en matière de gestion. Alors, je constate ce matin qu'il nous refait, je dirais, la même surprise en ne répondant pas à une question aussi simple qui est de savoir, entre la soustraction des recettes et des dépenses sur 2005, quel est l'excédent. Et cet excédent, tel que c'est prévu par les textes, autorisant la récupération jusqu'à 50% de ce montant. Alors, j'entendais le vice-président nous dire également qu'il ne répondra à aucune autre question. Alors, je vais quand même poser ces questions-là, parce que hier soir, j'étais en réunion dans une section de commune de Hitiaotra, et j'ai promis à ces jeunes de poser cette question aux représentants du gouvernement qui seraient dans l'hémicycle aujourd'hui, et je présume que, puisque notre séance est publique, mais aussi télévisé, bon nombre de ces jeunes vont écouter les questions que je vais poser à notre représentant de gouvernement.
Monsieur le vice-président, pratiquement président du pays, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi votre budget va créer des emplois durables pour les jeunes dès 2006 ? Alors ne nous parlez pas de vos CPIA de 55 000 francs qui constituent des saupoudrages pour entretenir un semblant d'emploi qui en réalité ne sont pas des emplois durables. Deuxième question que j'ai promis également de poser ce matin. Alors, vous savez, je me fais l'interprète de ces questions. J'espère au moins que vous allez répondre à ces jeunes qui souhaiteraient avoir des réponses dès ce matin. Deuxième question, en quoi est-ce que votre budget 2006 va permettre de créer les 1000 logements que vous avez promis à la population, puisque vous n'avez prévu de financer que 200 logements pour 2006 et vous aviez la capacité dès ce matin de venir avec un projet de modification du budget et ce projet de modification aurait pu réorienter notamment peut-être une partie de l'emprunt que vous diminuez sur la construction de logements sociaux. Troisième question, monsieur le presque président du pays, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi votre budget 2006 va permettre de baisser le coût de la vie et le niveau des prix dans les magasins pour que notre population puisse acheter des denrées alimentaires à des prix inférieurs à ceux qui sont affichés aujourd'hui. Je voudrais enfin saisir cette occasion pour dire à notre cher Jean-Michel Carlson que la question de la sincérité du budget est une question qui a été posée ici même au moment de l'étude du budget, ou à la question qui a été posée à notre ministre des Finances, j'essaie de me rappeler de son nom, je crois que c'était M. Vanfass. Et la question qui a été posée, c'est est-ce que vous avez l'accord de l'État sur l'utilisation de la DGDE pour financer vos politiques d'emploi et notamment le DARS ? Quelle était la réponse qui était donnée ? Oui. Donc, effectivement, sur la base de la réponse du ministre des Finances à l'époque, le budget était sincère. Mais ce qui n'était pas sincère, c'est évidemment le mensonge du ministre des Finances. Et donc, Monsieur Jean-Michel Carlson, vous avez fait une démonstration qui était jolie sur le plan de la lecture de votre script, mais en réalité erronée parce que votre base de départ était évidemment fausse. Je remarque d'ailleurs dans votre intervention, monsieur le représentant, que vous parlez d'immortaliser le DARS. Je crois que c'est une très très bonne nouvelle pour les chefs d'entreprise du pays. Et j'espère que ce discours que vous avez tenu n'est pas un discours qui a été lancé en l'air et que les entreprises pourront disposer du DARS ad vitam aeternam. Et j'appellerai une chose. C'est dommage que nous n'ayons pas le dossier du DARS ce matin, parce que voilà un dossier qui est important et non pas ressasser un certain nombre de choses, comme nous le verrons tout à l'heure. C'est ce genre de séance comme aujourd'hui, d'ailleurs, qui fait perdre la confiance au niveau des acteurs économiques, et c'est bien dommage. Vous en profitez d'ailleurs pour lancer ça sur les ondes télévisées. Je dirais que c'est normal que le public puisse suivre, mais tout ça crée également une ambiance qui est une ambiance que je dirais détestable. Voilà, Monsieur le Président, merci de m'avoir écouté. Plus d'intervenants, donc je ramène la parole au ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté les uns et les autres avec beaucoup d'attention. Et je peux vous dire que ce que nous vous proposons aujourd'hui est la stricte application des textes qui nous régissent. Et je peux vous confirmer que ce qui est disponible aujourd'hui pour ce collectif se situe entre 0 et 50%. Vous l'aurez définitivement lorsque le compte administratif vous sera proposé. Ce sont les textes, je suis au regret de vous le dire, que depuis des années, la majorité qui hurle, celle-là, a travaillé de cette façon. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, on fasse l'inverse? Nous appliquons les textes que vous avez votés. Pour ce qui concerne le mépris, la suffisance et tout le reste, je ne m'attarderai pas, Monsieur le Président. Je peux simplement vous confirmer que j'ai pour habitude de répondre à toutes les questions que l'on me pose pour autant qu'on soit dans le sujet. Si c'est des questions sur Tautira alors que nous sommes à Papeete, on ne s'en sortira jamais. Je peux donc vous confirmer, Monsieur le Président, qu'à
qu'au sous-chapitre 953-10 et à l'article 787-1, c'est bien une reprise sur la DGDE de 1,609,820,000 francs. Merci, Monsieur le Vice-président. Donc, je mets au vote le chapitre 953. Chapitre 953, ceux qui sont pour. 32 voix pour. Ceux qui s'abstiennent. Ceux qui sont contre. 25 voix contre. Nous poursuivons avec le chapitre 970. Total 970, 2,9820,000 en plus et zéro en moins. Discussion est ouverte. Aucune intervention. Monsieur Philippe Schill. Oui, merci Monsieur le Président. Vous avez certainement constaté que ma collègue Nicole Bouteau et moi-même avons voté contre, alors qu'au départ nous avions annoncé une abstention. Parce que, tout simplement, comme cela a été dit et martelé depuis tout à l'heure, une question a été posée, elle était précise. Aucune réponse précise n'a été donnée en revanche. Je reviens encore une fois sur ce que demande depuis tout à l'heure l'opposition, et c'est une demande qui est tout à fait légitime et qui est liée effectivement à ce taux de prélèvement sur l'excédent de clôture de la section de fonctionnement. Ce taux n'a de sens que si on connaît quel est le résultat de cet excédent de clôture. Et depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de demander le montant de ce résultat, on ne nous le donne pas. On nous rétorque, la précédente majorité a travaillé de cette façon. C'est ça le taoui, c'est de travailler de la même façon que la précédente majorité. Personnellement, je suis déçu de cette manière de répondre. Le texte est parfaitement clair, cette délibération qui a été invoquée pour justifier ce prélèvement est parfaitement claire, mais il n'a de sens que si on connaît le montant précis et non pas se contenter de nous dire que c'est de 0 à 50%. On a besoin de savoir ce montant. Donc je suis... Bien. Donc, c'est la raison pour laquelle Nicole et moi, nous avons voté contre et continuer à nous répondre de cette manière-là fait que, tout à l'heure, ce que vous avez demandé, Monsieur le Président, au lieu que nous allons vous soutenir, eh bien, on va se contenter de vous supporter jusqu'au verdict final. Et c'est désolant, c'est désolant. Nous avons toujours dit, Nicole Bouteau et moi-même, qu'on veut être constructif. Mais on ne peut être constructif que s'il y a du répondant. Et le répondant, là, il est absent. Merci. Monsieur le Président. En fin de compte, vous êtes conscient donc de votre vote qui va à l'encontre donc des recommandations de la DGDE, donc de la Chambre territoriale des comptes. Donc on annule cette recette au niveau donc du fonctionnement. Donc, si vous votez contre, vous allez à l'encontre donc des recommandations. Je ne sais pas si vous êtes conscient donc de votre vote. Mais une autre chose, en ce qui concerne le compte administratif, si pour connaître le compte, ce montant donc que vous demandez, il faut que ce compte soit arrêté définitivement. Or, ce compte n'est pas arrêté définitivement. Mais donc, quand on demande à l'ordonnateur quelle est cette fourchette, il sait grosso modo que c'est entre 0 à 50%. Mais il n'y a pas un chiffre exact tant que ce compte administratif n'est pas arrêté. Et si ce compte administratif est arrêté, nous le voterons, donc nous le retrouvons sur notre casier pour pouvoir étudier ce compte administratif définitif.
En commission législative, Noa Tétouanou avait posé la question si ça se faisait donc d'utiliser cet excédent au niveau de 50%. Et on lui a bien répondu que auparavant, donc dans les années antérieures, c'était dans les pratiques courantes donc de l'ancienne majorité de faire donc des collectifs, même si on n'a pas arrêté donc le compte définitif donc administratif du pays. Merci. On poursuit avec Noa Tétouanou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Vice-Président, c'était juste pour avoir une certaine clarté au niveau du débat. L'article 820, ici, qui précise le montant du résultat de fonctionnement reporté, c'est très important, c'est-à-dire à peu près 2 milliards. C'est un peu le socle de notre débat d'aujourd'hui, notamment sur les mouvements financiers. Lors de la commission interne, les techniciens, notamment le chef de service, notamment des finances, étaient présents, et votre conseiller technique. Ces techniciens nous ont annoncé 5 milliards de résultats de fonctionnement reportés. 5 milliards. Et vous nous dites aujourd'hui que vous ne savez pas, Monsieur le Ministre. Il y a un problème là. Le ministre, il ne sait pas, les techniciens, ils savent. Alors, et en plus, vous nous répondez, il faut attendre le collectif, il faut attendre notamment le vote du compte administratif. Lorsque vous mettez en place 2 milliards ici, Monsieur le Ministre des Finances, soyez assuré au moins que vous avez les 50%. Pour l'instant, vous ne savez pas du tout. Alors là, Monsieur le Président, c'est très grave, parce que là, il y a deux débats contradictoires. Le ministre et ses techniciens, il faudrait peut-être qu'on ait plus d'éléments, mais on ne peut pas voter, monsieur le ministre, on ne peut pas voter ces 2 milliards. Déjà ici, vous ne pouvez même pas présenter les 2 milliards à l'article 820 parce que vous n'avez pas cette information-là. Vous n'avez pas cette information que vous avez 5 milliards, 6 milliards, notamment de résultats pour l'année 2005. Voilà, donc c'était juste pour avoir cette précision, pour éclaircir aussi le débat, monsieur le président, et on ne peut pas accepter. On ne peut même pas se positionner pour le vote aussi. Marou. Très bien, on poursuit avec Nicole Bouteau. Merci, Monsieur le Président. Je crois, Monsieur le Vice-Président... Nicole Bouteau. Pardon? Nicole Bouteau. Ah bon? Parce que vous savez que ça fait 10 minutes que je lève le doigt, mais quand vous regardez jamais... Ben, attendez encore 3 minutes. Jamais! Nicole Bouteau. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste répondre à l'intervention de Madame Chinfo. D'abord pour vous dire que le vote contre n'est pas un vote contre la décision ou les observations de la Chambre territoriale des comptes. Vous aurez bien compris que face à l'attitude du vice-président, que je trouve pour ma part méprisante, je ne vois pas pourquoi on continuerait. Effectivement, vous avez raison, arrêtons de discuter et puis passons directement au vote. Je trouve que ce que vous avez dit est particulièrement grave. Parce que, en fait, vous nous dites, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de faire un chèque en blanc. Certes, les comptes administratifs ne sont pas arrêtés, et ça se fera bientôt, mais vous avez une prévision. Vous avez un chiffre, sinon vous n'auriez pas affiché ces montants-là. Eh bien, donnez-nous le chiffre. Qu'est-ce que ça vous coûte? Alors, on va nous qualifier d'opposition qui met les bâtons dans les roues. Pour être constructif, il faut nous donner les moyens et les éléments d'être constructif. C'est ce que nous avions l'intention de faire au départ, en nous abstenant, voyant ce collectif comme un réajustement par rapport aux observations de la Chambre territoriale des comptes. Mais vraiment, Monsieur le Vice-président, excusez-moi d'insister, mais si vous ne changez pas votre attitude par rapport aux élus que nous sommes, il nous est difficile de vous suivre dans vos argumentations et dans les décisions que vous souhaitez que nous prenions. Merci. Merci, on poursuit. Armelle Merceron. Merci, Monsieur le Président.
Moi, je voudrais m'adresser à ceux qui, aux représentants de la majorité et aux non-inscrits qui ont abondé dans votre sens lors de l'adoption du premier article. Imaginez que vous ayez un accord de votre banque pour tirer sur un crédit qu'il vous a mis à disposition, mais il vous a dit 50% de quelque chose, mais vous ne savez pas 50% de quoi. Comment pouvez-vous dépenser? Vous avez besoin de vérifier si vous avez un droit de tirage effectif sur ce que vous allez décider, et c'est notre position. Alors, deux solutions. Soit vous êtes au courant, vous, du montant, et là, il y a une rupture d'égalité entre les représentants, et ça, c'est pas juste. Soit vous acceptez en aveugle ce que nous ne pouvons pas accepter. Donc, si vous voyez que nous insistons beaucoup là-dessus, c'est parce que c'est vraiment une question de principe et de respect des responsabilités que nous avons. Donc, moi, je crois que vous ne vous grandissez pas, monsieur le vice-président, en faisant cela. Hein. D'autant qu'en plus, ben, je crois que malheureusement, la présence de la télévision fait que énormément de Polynésiens vous voient, et je crois que c'est un peu antidémocratique. C'est dommage. Donc, je réitère et je m'adresse à mes collègues. Demandez-lui de nous le dire, et puis le problème va être réglé. Madame Emma Algon. Merci, Président. Eh bien, on l'a dit hein, dans la discussion générale, et d'autres représentants l'ont dit, et je le redis à nouveau. Et juste une précision à M. Noat-Etouanoui. Au cours de la commission législative, les techniciens ne nous ont pas donné le montant de cet excédent. Ils ne se sont pas autorisés à le faire. C'est Madame la Présidente de la Commission qui nous a répondu avoir ouï dire que ce serait un montant, un excédent de 5 milliards. Donc, bien sûr, si vous avez pu nous proposer un montant entre 0 et 50%, même si les comptes administratifs ne sont pas arrêtés définitivement, vous avez des chiffres provisoires. Donc, c'est ce que nous demandons. Même des chiffres provisoires, nous souhaitons que M. le vice-président nous donne cette information du montant de cet excédent. Merci. M. Jean-Christophe Bissou. Merci, M. le Président. Je voudrais dire à Mme Chinfo, que si l'on vote contre ce projet de modification du budget, d'accord ? Non, que ce soit l'article, d'ailleurs, vous allez voir tous les autres articles, on votera contre aussi. Hein. C'est parce que d'abord, on a voté contre le projet de budget, le budget primitif. Parce que vous avez un budget qui va créer plus de chômage. Vous avez un budget qui va augmenter les taxes, faire évoluer l'indice du coût de la vie à la hausse. Vous avez un budget qui ne se soucie pas de l'aspect social et notamment du logement social. Voilà pourquoi on vote contre votre budget. On n'est pas là pour dire oui ou non à la Chambre territoriale des comptes, on est là pour dire non à votre budget 2006. Je voudrais redemander à notre vice-président qu'il arrête d'être trotskiste. Oui, parce que quelqu'un me disait auparavant, tu sais, ce très bolchevique Trotsky, je ne le pensais pas. Mais quand je vois son attitude, effectivement, je trouve qu'il a un peu une autorité, type dans les pays communistes, avec une certaine forme de dictature. Donc ce serait intéressant quand même qu'il évolue un tout petit peu ce matin, et puis qu'il réponde aux questions, surtout des questions qui sont pertinentes et qui sont nécessaires à notre population. Merci. Merci, Lucette Taïro. Allez, à vos places. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les représentants, le bonjour du matin. Oui, moi j'aimerais rebondir en ce moment, d'abord surtout par rapport à ce que nous a dit Madame Rosina Chinfo, qui est donc le rapporteur de ce dossier. Pour ma part, j'estime que nous sommes au premier collectif. Et à partir du moment où effectivement cette question est posée, à savoir
quel est le montant de l'excédent qui est estimé? Il me semble que, d'abord, c'est une question qui est un préalable, qui est indispensable pour qu'au moins on puisse avoir, et on le faisait, c'est vrai, mais qu'on puisse au moins y toucher à hauteur de 50%. Si la réponse ne nous est pas donnée, donc, je me pose la question de savoir, est-ce que nous serons bientôt en faillite? Est-ce que le gouvernement est en faillite? Parce que si cela dépasse les 50%, il faut nous le dire. Deuxièmement, pour préparer un collectif de ce genre, il me semble qu'il y a le contrôle de la légalité qui doit aussi s'exercer. Donc à ce moment-là, je ne comprends pas que l'on puisse, nous élus, donner un quelconque quitus sur quelque chose qui n'existe pas. Et je voudrais reprendre l'exemple de Mme Merceron, mais une banque ne va jamais nous prêter quoi que ce soit, nous autoriser à prélever quelque chose sur rien. Et c'est ce que nous faisons également aujourd'hui. Alors c'est bien joli tout ça, mais on ne peut que supputer. Ou alors, je me dis aussi, est-ce qu'il va y avoir, si le ministre des Finances va nous donner une estimation de cet excédent, va-t-il y avoir des isanies au sein de la majorité parce que chacun va tirer à U et à Dia pour pouvoir mettre en place ses actions? Alors, s'il vous plaît, donnez-nous la réponse, comme ça au moins les choses seront claires, précises, et on votera. Merci. Très bien, Tamara. Je voudrais d'abord faire la remarque à Mme Lucette Tairo que s'il y a un petit PAPA dans la majorité, ben ça c'est encore des rumeurs. Et deuxièmement, occupez-vous d'abord de vous avant de vous occuper de nous. Bonjour Madame Tamara. Madame. Je voudrais faire la remarque. Nous posons des questions sur le sujet. S'il vous plaît, laissez Madame Tamara. Je voudrais faire la remarque comme quoi j'étais présente à la commission législative de la commission des finances, parce que j'ai entendu qu'on a dit que les conseillers techniques étaient là, étaient interdits de répondre à la question. Ce n'est pas vrai du tout. Ils ont dit poser la question en séance plénière. Ça oui, mais à aucun moment je les ai entendus dire que nous sommes interdits de répondre. Et deux, quand vous étiez au pouvoir, il y avait des questions que l'opposition posait et qui restaient suspendues dans l'air, sans réponse, et là-bas et ici. Alors n'allez pas nous apprendre comment on doit travailler, hein, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Jacques Ibrion. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, les chers collègues représentants, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs les journalistes, décidément, la télévision fait monter la surenchère de qui annoncera la plus belle annonce pour que les téléspectateurs et ceux qui nous suivent fera le meilleur scoop. C'est quand même extraordinaire. Nous n'avions absolument pas l'intention d'interférer dans ce genre de débat, mais lorsqu'on nous parle d'un certain trotskisme et communisme et d'élaborer une construction d'hypothèse, c'est que la personne qui émet cette hypothèse l'a vécu d'abord. On ne peut être, dans ce genre de discussion, le meilleur porte-parole de ce que l'on aurait vécu. Si d'aventure cette hypothèse était fausse, je voudrais rappeler l'autre hypothèse qui, elle est valide et qui a été encore rapportée dans les journaux lorsque nous discutions du budget du pays et lorsque ce fameux DARS a été remis en cause par le tribunal. Et rappelez-vous de cette formule magique, ultimatum au gouvernement. La une des médias, la une des radios. Et vous savez qui a lancé cet ultimatum? Monsieur Bouissou. Lorsqu'on compare donc un trotskiste et un preneur d'otages qui lance un ultimatum à un gouvernement, franchement, la télévision n'a pas besoin de ce type de scénario pour revenir à notre débat d'aujourd'hui, qui effectivement nécessite un peu moins d'affichage télévisé. Revenons à notre sujet. Bien, donc avant de rendre la parole au ministre des Finances, vice-président du pays, je voulais juste essayer d'éclairer davantage nos élus, surtout ceux qui ont encore un doute sur les propositions de modification qui sont présentées ce matin, pour leur dire que dans la suite logique de la procédure, lorsque nous aurons adopté cette délibération, la procédure laisse à la Chambre territoriale des comptes encore 15 jours
pour vérifier la sincérité, la nouvelle sincérité des dispositions adoptées dans le cadre de cette délibération. Donc je ne pense pas que le gouvernement ni la majorité souhaiteraient voir les propositions faites, la proposition de modification de collectif d'aujourd'hui remise en cause à nouveau par la Chambre territoriale des comptes dans le cadre de son contrôle lié au délai de 15 jours qui lui est assorti avant de valider définitivement le projet que nous allons adopter dans quelques minutes. Monsieur le vice-président. Simplement, Monsieur le Président, pour dire mon incompréhension, notamment des propos de Monsieur Noaté Toanoué, qui pose des questions sur ce report et qui annonce le chiffre de 5 milliards. Donc peut-être qu'il a des voix. Peut-être qu'il a entendu, j'en sais rien. En fait, moi je reste sur les textes qui nous régissent et vous avez raison de rappeler que derrière notre décision, c'est la Chambre territoriale des comptes ou éventuellement le haut commissaire qui pourrait déférer notre budget au titre du contrôle de la légalité. Je vous confirme donc qu'à l'article 820, c'est bien un résultat de fonctionnement reporté de 2 milliards qui nous est demandé par la CTC. Merci. Donc je mets au voie le chapitre 970. Ceux qui sont pour, 32 voix pour, ceux qui s'abstiennent, aucune abstention, ceux qui sont contre, donc 25 voix contre. Nous poursuivons avec le chapitre 972. Total chapitre 972, 0 en plus, 300 000 en moins. Discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole? Monsieur Edouard Fitch. Président Maru, je voudrais, Président, revenir sur les déclarations de votre co-rapporteur, M. Michel Carlson. Le Tahoe A coûte cher à la collectivité. Allez? Jean-Michel. Oui, aromato e fa atere itra hopo irhei ta oto e fa utare in eitenun a. Tramo tute ta oto e fa utare in eitetua o tenun a. Roto itra mo horor a. Tamato fa kata e pamiria. Tute ta oto he amau in eitetua o tenun a. Noria, yaoisho ne roto yaoisho, noria mato e horowai. Iha tara tute ia wha ohipahia. I te ia mahana te wha hoi mai oe tara prou ni ai ia mātou. Jean-Michel, ai tu ea rafuare i tara nun a, ta oe tutera, ia mana ta o tou ture. I ni ai te mou tute e mara af ahau te u, e mara af ahau te inu, mara af ahau te Nescafe, mara af ahau te mou maa e amuhia i te nun a i te mou mahana atoa. Iha oe para ue, no te mea hina aromato e hafifi ta oto tapura fufa. No te mea rai te ie mahana mea pāpua whaite to e pērhe o te nun a, te fifi nei oia no te rehei o ta oto tute e te mara ara te whaito o to tātou ne ora ra. No rira, te hi o oia oi te ie mahana, te hapa onuar oe ia oiso. Hapa onuar oto ia oto iso, ae te oto e hapa ore te ranun a, e ue rai te ie mahana. E ta otou politita era vera. Ta otou politita era vera. O oe hoa Jean-Michel. Fa ea oe te hi oro toi te retroviza. Hi ono i muri. Hi ono i muri. Fa hapano o toi te taho era ahu ir atira. Ta matou politita i te ratau. Wohina aro te nun a e tau. Te hia ta otou politita. Te hia ta otou politita. Aramai te ia oe. Wei te oe. Ye fa atere oe ho e preo. E hi oe te retroviza. E uto oe preo. Eu, wei te awe, enhenhe eu. No rira, ei, tau hoa, e ere o mātou te tumu, e ore e ta oto budget sincère.
na otong no hoi taruri ta otong uhipa. E fifi e otoi te yam hana. No te hao sa ki drole, e ite hina aroe fa ite i tātou, te muni hau i no ai te matai te maari ane. No te hao na e ore fa ite. E fa ite ona i te som te di korea de kont. Me au anane fa ite i te wharani, i te fa ite mai otou. E fa hepohi ona, ye ite mai oe. E fa hepohi ona i te tomitara teitei. Trawahine, trawahine i o anuara. E fa, tana i fa inu i te kawa. Tana, tana i fa inu i te kawa. Roto i tera whiruri, ai e tururi pā te mana. Oblige ona e parau i te rawahine, no te ha ona i te parau i tātou i unei. No te mea i tōne hina aro, ye i te o tō e ha te muni e tō era. A tito o tō, a fifita o tō pērhei. Tera te tumu, ona e ore e parau. Noria mātou e parau tu e o tō, wha auraro mai, wha atura mai. E ui a tera, noroto mai te mautia, ma i te hia e te nunaa. I hai e ta tau mai te parau te taho e rahu i rātira. Whaufa a tehi tō te irira. Ua o tātou rutu i te tau o te taui. A taui pai o tō i o tō nā muaro. E au o tō i tō te taho e rahu i atire i whaaro o nātou e tō o tō mana i te iem hana. Ua he mohi a mātou. Ua he morohi a mātou. O muatu Oscaria Fros. Ia. Te paraura o e te parau no te budget o te pereti tenir ao tau whenua. O muatu tā o tō. E hui mai tātou arawa. Nga arawa i ite mai o e. Tara paro e paro hiare, moins 10% i eite ha. Nau mea mā, roto i te mōpū ahi pā te hau, oui, roto i te mōpū ahi pā te hau, te opital, te fei, te mea, me tā o toiso, ahi o maitai, era, ero. Hapa o maitai, e mea mā, iha, ie pari noi te taho era, ahi atira, ap eto o toi rapa, maruru. Tara, veho tātou tō atei tōno arawa. Notre mea tapuro hui par heite e tie nei a datu, M. Jean-Michel Calson. E maruru preti teni, maruru pei au e tere ori. Tau e whaitira meit promou. Tau e whaitira meit promou. Te whaatare no nei o tōto hipa. Tēnei te arofanei o e te nuna. Te hapa i e tratou tu whaateito. Te ha, mea te hue no nei o tōto moni. I hei e tratou o e ore arofai te nuna. Tēnei, te pronei o e tamatou pa e ohipa, trai a tau pro arau e honai, te hare rā mātou no te toturura, no te ohipa, no te nuna, no te whea api. Ki o rātou, ahi o nātou pai. Trā tātou tapura ohipa te mhana. Tēnei, pro o e tau preo, hi o e au, skute, ene preo, ene, kadilak, skute, e aro fatoa nona iau, te kokonero tskute. Nō reira, maruru pa e tau e whaitira mei, trahuat pura mou, te whaatare noa nei utou, te huene noa nei utou te mau pāwhei, ia tare noa te uhipa. E rā te nuna tie meira te uhipa. Te sepia pōro tau tau mou hororā, wa weisho ia teiti no te mea me fofo aore. Tra noa, maruru. Très bien, monsieur le vice-président. Président. Il y a vraiment une chose que je ne peux pas supporter, c'est le racisme. Et je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, traduire pour les journalistes qui n'ont pas compris ce que Monsieur Fritsch vient de dire. On ne peut pas laisser passer. Monsieur Fritsch a dit en substance que si nous ne voulons pas donner les chiffres maintenant, c'est que nous les réservons aux Frani de la CPC. Vous serez obligé de donner à la Chambre des députés. Monsieur Fritsch, s'il vous plaît. Monsieur Fritsch, vous laissez parler Monsieur le vice-président. Alors, s'il vous plaît, notez-le dans votre journal. Le second raciste après Rere Poubutaouki, c'est Édouard Fritsch. Très bien, on met en voie le chapitre 972. Chapitre 972, même vote adopté, on passe à l'article 2. Total général de... Ah oui, excusez-moi, on passe au total général et au vote de l'article 1er. Total général 2,9,820,000 en plus et 9,820,000 en moins, solde zéro.
Voilà, le total général solde et l'ensemble de l'article 1er, même vote adopté, on passe à l'article 2. Article 2. Les dépenses ordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2006 sont modifiées comme suit. Total chapitre 953, 1 709 820 000 en plus et le même chiffre en moins. Pour le même total général en plus et en moins pour un solde donc de zéro. Merci. Donc la discussion est ouverte, Monsieur Jean-Christophe Buissou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai bien entendu tout à l'heure que, puisque c'était dans l'exposé des motifs sur la modification du budget 2006, que ce budget est présenté sous sa nouvelle version directement à l'Assemblée, par l'Assemblée, et non pas par le gouvernement. Bien, alors je vais vous poser la question à vous, Monsieur le Président, puisque c'est sous l'égide de votre majorité ici à l'Assemblée que ce budget, ce projet est présenté, et puisque nous vous connaissons comme étant un homme qui aime la transparence, qui prône la liberté de parole et d'expression, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le montant de l'excédent des recettes sur les dépenses de l'exercice 2005 que vous et votre majorité présentez aujourd'hui, puisque les techniciens que nous avons sur les bancs du gouvernement ne sont pas capables de répondre à cette question. Je ferai remarquer une petite chose, Madame la Présidente. Lorsque nous étions en commission des finances, à la question qui était posée, la même question posée aux techniciens collaborateurs du ministre des Finances qui était présent, qu'ils ont répondu ceci, que nous allons donner ce chiffre-là, le ministre des Finances et de l'Économie donnera ce chiffre-là en séance plénière, n'est-ce pas? Bien, nous y sommes. Bien. Donc, est-ce que, puisque notre presque président du pays ne répond pas, est-ce que le président de l'Assemblée pourrait répondre à cette question? Je pensais que Jackie Briand avait été mis dans la naphtaline. Je m'aperçois que on l'a sorti et lorsqu'il est intervenu pour secourir son copain Jackie Drollet du Yaman Atenuna, je me suis dit, ah, c'est vrai que Jackie Briand est aussi une émanation du Yaman Atenuna, un parti trotskiste connu dans notre pays. Merci. Très bien, Monsieur Noa Tetonoui. Merci, Monsieur le Président. Justement, c'est un peu la suite de ce que mon collègue Buissou disait tout à l'heure sur les reports. Monsieur le ministre des Finances, vous aviez dit que Noa Tetonoui a peut-être entendu une voix peut-être venant de Maradouhine, non pas du tout, monsieur le vice-président, pas du tout. J'ai le PV en face de moi, j'ai le PV de la commission. Effectivement, ce ne sont pas les techniciens. C'est Madame la Présidente qui disait qu'elle avait ouï dire qu'il y a à peu près 5 milliards. Voilà, 5 milliards, dans mon niveau des reports. Lorsqu'un président de commission parle de cette façon, elle a peut-être entendu dire qu'il y avait 5 milliards. Ça, c'est mis là-dedans. Mais vos techniciens n'ont pas confirmé, n'ont pas protesté aussi. En plus, la question qui a été demandée par Madame Armée Masseron pour le montant. Il y a des techniciens à rétorquer que le vice-président, je rejoins mon collègue M. Buissou, que le vice-président répondra à cette question en séance plénière. Point final. Parole. Très bien, M. Edouard Fitch. Oui, M. le Président. Je voudrais rectifier ce que disait notre PPM, là, le presque président Mouchard. Je n'ai pas proféré ici des propos racistes. Oui, vous avez l'oreille un petit peu bouchée, vous savez que ça se nettoie tous les jours, comme le reste. Monsieur le vice-président, presque président,
Je disais tout à l'heure que vous ne souhaitiez pas dire la vérité ici parce que cela risquait de provoquer des tiraillements au niveau de votre majorité, c'est ce que je disais en tahitien. Mais par contre, sachant qu'aujourd'hui même, vous êtes et vous serez obligé de donner ce montant à la Chambre territoriale des comptes ou aux commissaires qui sont des autorités françaises, parce que Frani, c'est pas toujours vu par le Tavini Huiratira. Attendez. Vous m'écoutez ou pas? Allez-y, poursuivez. Vous ne voulez pas écouter la vérité. Et concluez. Vous voulez faire entendre ce que vous voulez, mais ne pas entendre d'une façon impartiale les autres. Pourquoi vous ne dites pas à nous, autorités locales, ce que vous avez comme excédent sur le budget 2005? C'était la seule question qui nous ennuie depuis tout à l'heure. Vous serez obligé de le donner aux autorités françaises. Voilà. Donc, ne transformez pas, monsieur le vice-président. Je n'ai pas voulu être méchant avec vous. Je ne serai jamais méchant avec vous, parce que vous êtes suffisamment méchant pour qu'on ne s'occupe pas de vous. Voilà, merci. Madame Rosina. Merci, monsieur le président. Je crois que donc de l'article 1er jusqu'à l'article 6, tout va tourner autour donc de cet excédent de l'année 2005. Effectivement, donc en commission législative, j'avais dit oui dire, j'ai bien dit oui dire et j'assume ce que j'ai dit. Pour la simple raison que vous savez, donc, tous les comptes, même les financiers des entreprises, on leur donne jusqu'au mois d'avril. Pour arrêter leurs comptes et les présenter donc au commissaire aux comptes jusqu'au mois d'avril. Pour les comptes administratifs donc des communes, nous avons aussi un délai pour représenter, mais on sait à peu près, je dis bien à peu près, monsieur les maires donc des communes savent à peu près. Et pour un budget donc pour un compte administratif d'un territoire, d'un pays, ça prend beaucoup plus de temps aussi, donc on ne peut pas de coup de baguette magique dire voilà, on attend tant, mais simplement le vice-président a bien répondu à vos questions depuis le début, il l'a dit, l'ordonnateur a bien dit que ça, c'est compris entre la fourchette de 0 à 50. On n'a pas le chiffre exact, parce que ne va pas nous dire au moins le 3 mars vous avez dit tant, et à la fin, donc au moment où on arrête les comptes, il n'y a pas ce montant. Vous allez nous traiter encore de menteurs. On vous a bien dit entre la fourchette de 0 à 50, et on est dans cette fourchette. Et que ces opérations qui sont faites aujourd'hui et dans toute sa légalité. Et qu'on arrête donc de revenir sur ça, de l'article 1er jusqu'à l'article 6. Merci, monsieur le vice-président. Monsieur le président, je ne vais pas polémiquer plus sur les termes tahitiens utilisés par monsieur Fritsch. Je voudrais vous dire solennellement que je ne les partage pas et qu'on écoute l'enregistrement. Il suffit d'écouter l'enregistrement de vos propos, parce que là, vous êtes en train de tourner de façon à abuser de la presse. Voilà votre attitude. On met aux voix donc l'article 2. Article 2, même vote. Article 2, même vote. Donc, adopté. On passe à l'article 3. Article 3. Les recettes extraordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2006 sont modifiées comme suit. Total, chapitre 927. En plus, 709 820 000 en plus et en moins, 3 419 640 000 en moins. Pour un total général donc de 1 milliard pour les mêmes chiffres, donc pour un solde donc en négatif de moins 1 709 820 000. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 927, Monsieur Jean-Christophe Guissou. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de la Commission des Finances, ne nous faites pas croire n'importe quoi. Si encore on n'avait pas été au pouvoir, on pourrait vous croire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme on a exercé le pouvoir aussi,
Donc, je m'étonne de ce type de réponse que vous avez. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars 2006 et nous n'avons pas connaissance du chiffre exact d'excédent des recettes sur les dépenses. Mais je présume que le payeur du territoire qui nous regarde peut-être maintenant doit se marrer sur vos réponses. Et lui-même doit se dire, vous êtes de fiefés menteurs. Vous êtes de fiefés menteurs. Et monsieur le vice-président, c'est quand même incroyable, alors que nous sommes dans l'hémicycle pour voter un budget, qu'à une réponse à une question aussi simple que celle-ci, pour que nous puissions savoir exactement ce que nous votons, d'accord, que nous puissions avoir cette information, parce que c'est notre rôle que de voter un budget en toute transparence, d'accord, vous veniez nous dire qu'on ne peut pas vous donner ce chiffre-là parce que ce chiffre-là sera arrêté par le compte financier de la Polynésie au mois d'avril ou au mois de mai. Donc votre réponse n'est pas satisfaisante. Donc j'appelle l'opposition dans la majorité à voter contre avec nous. Parce que je sais qu'il y a une opposition dans la majorité aujourd'hui. Hein? Comme il y a une opposition dans le gouvernement, il y a une opposition dans la majorité. Donc votez avec nous. Ne votez pas n'importe quoi. On vous fait voter n'importe quoi aujourd'hui. Vous n'avez même pas les réponses aux questions qui sont posées et vous devriez vous rebeller contre le presque président que nous avons ici qui ne répond pas aux questions et puis notre président de l'Assemblée qui manifestement a pris la grippe, j'allais dire le virus. C'est un peu à la mode là en ce moment. Bien. Merci. Merci. Monsieur Jacques Brion. Monsieur le Président, on aura l'occasion, dans le cadre des travaux de la Cour des comptes, de voir comment est-ce que ceux qui aujourd'hui poussent des soi-disant opposants dans la majorité à voter, quand eux, ils étaient dans l'opposition, et qu'on leur a fait avaler des couleuvres, mais des couleuvres qui aujourd'hui, je ne sais même pas si on est arrivé au bout de la queue. Merci. Armelle Merceron. Merci, Monsieur le Président. Bon, nous prenons acte, monsieur le vice-président, de votre refus et j'en conclus que vous avez des choses à cacher. Je ne sais pas lesquelles, je ne sais pas. J'espère qu'en tous les cas, effectivement, nous ne dépassons pas les 50%. On ne sait pas, peut-être. Mais je voudrais revenir à une question qui est liée au choix que vous avez fait de diminuer l'enveloppe qui avait été votée en matière d'emprunt. Et je voudrais savoir si cela a un lien, tout ça a un lien avec le classement par Standard & Poor's des finances de la Polynésie. Merci. Ça, vous pouvez répondre, j'espère. Monsieur le vice-président. La réponse est dans votre question, c'est oui, c'est un élément pris en compte par cette société. Mais au-delà de cette décision, c'est véritablement la volonté du pays de coller au plus près de la réalité. Et par exemple, pour l'année passée, je voudrais rendre hommage à M. Émile Bonfas, la gestion de la dette a été une gestion dynamique. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas laissé gonfler tel que n'importe quel pouvoir politique aurait pu le faire, mais au contraire, on a remboursé quand c'était intéressant, on n'a pas remboursé quand ce n'était pas intéressant. Et le résultat de cette opération, bon, ce n'est pas extrêmement important, le pays a économisé 220 millions en ayant une gestion dynamique de son endettement. 220 millions sur l'année 2005. Donc ceci est important. Parce que ça démontre aussi que M. Émile Bonfas, malgré toutes les critiques que vous pouvez lui adresser, avait beaucoup de qualités. Et ça, c'est un des exemples. Vous parlez beaucoup de l'endettement. J'ai entendu M. Noah parler de 80 milliards, peut-être un peu plus, au début de son intervention. Je peux vous dire que au 31 décembre de l'année 2004, notre endettement, notre encours de la dette était exactement de 68 milliards 935 681 875 francs, donc 68 milliards 900 millions. Et au 31 décembre 2005, cet encours de la dette est tombé à 67 milliards 331 262 416 francs. Donc nous nous sommes désendettés et nous continuons ce désendettement parce que c'est de bonne politique.
Merci. Donc, je mets aux voix le chapitre 927. Chapitre 927, même vote. Même vote adopté. L'ensemble de l'article 3, même vote. Même vote adopté. On passe à l'article 4. Article 4. Les autorisations de programme votées au budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2006 sont modifiées comme suit. Total chapitre 925 en plus et 1 709 820 000 en moins. Total général 0 en plus et 1 709 820 000 en moins et un solde donc de moins 1 709 820 000. Merci. La discussion est ouverte, M. Jean-Claude Bissou. Merci, M. le Président. Peut-être qu'il y a une autre version à ce que disait le vice-président tout à l'heure sur la capacité de remboursement anticipé ou plutôt sur la question de la non-contraction d'emprunt de la part du gouvernement en 2005. Cette autre version, c'est on n'arrive pas à exécuter les travaux d'investissement prévus au budget. Oui. On a prévu, avec les reports de crédit, 60 milliards de francs d'investissement, mais on ne réalise que 30 milliards de francs. Ce qui laisse apparaître d'ailleurs des reports de crédit de l'exercice 2005 sur l'exercice 2006 de 30 milliards, plus de 30 milliards de francs. Donc c'est l'incapacité du gouvernement à exécuter son programme d'investissement qui fait que le gouvernement n'a pas contracté les emprunts prévus et qui étaient de plus de 10 milliards de francs. Voilà. Donc c'est l'autre Merci. Version de ce que disait M. Jacques Hydrolet. D'accord. Une intervention, M. le ministre. Monsieur le Président, pour cet article, il s'agit simplement d'écriture d'ordre, ce chapitre, et ça a été bien défini dans le rapport de présentation à la page 3, au dernier paragraphe. Merci. Très bien. Donc, je mets aux voix le chapitre 925. Chapitre 925, même vote. Même vote adopté. Alors, le total général, le solde et l'ensemble de l'article 4, même vote. Même vote adopté. On passe à l'article 5. Pardon. J'ai fait voter l'ensemble de l'article 4, total général et solde en même temps. On passe à l'article 5. Article 5. Les crédits de paiement votés au titre des dépenses en capital du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2006 sont modifiés comme suit. Chapitre 925, mouvement financier, donc 0 en moins, 1 709 820 000 en moins. Total général, 0 en plus et 1 709 820 000 en moins pour un solde de moins 1 709 820 000. Merci. Donc la discussion est ouverte. Madame Armelle Merceron. Oui, merci Monsieur le Président. Ça fait deux articles précédents que je voulais parler, mais enfin, on parle toujours de 1 709 000 000, donc je peux continuer. D'abord, je voudrais faire observer que à cet article 5, nous sommes bien en train d'enlever 1 700 000 000 et quelques de disponibilité pour des investissements. Or, quand on sait que c'est que la population vous demande justement de faire en sorte que l'activité économique soit meilleure, qu'il y ait des créations d'emplois, qu'il y ait de l'argent qui circule, en réalité ici, vous décidez d'en enlever. Mais je voudrais aussi revenir sur les propos de Monsieur le Vice-président relatifs à la gestion de la dette. Vous savez, comme beaucoup de choses, vous découvrez peut-être, mais en réalité, la gestion active de la dette n'est pas une nouveauté. Nous la pratiquions depuis des années, et du reste, le rapport sur les finances de la Polynésie écrit bien noir sur blanc que cette gestion active de la dette, depuis le milieu des années 90, est une bonne chose et qu'elle a permis justement d'apporter
infiniment plus de rigueur. Et enfin, vous nous dites qu'au 31-12, il y a un petit peu moins d'endettement, 31-12-05, il y avait un peu moins d'endettement qu'au début de l'année. Bon, on est en fin d'exercice et les besoins financiers sont moindres à ce moment-là. Donc, grâce à la gestion active de la dette, on peut diminuer cette dette. Mais je suis prête à parier que si vous avez une politique active d'investissement, vous allez où vous avez déjà emprunté, donc ce montant n'est déjà plus valable. Ou alors, c'est que vous n'êtes pas très actif depuis 2 mois. Merci, monsieur le vice-président. Il suffit de pouvoir comparer ce qui est comparable, madame Merceron. Je vous ai donné des chiffres à la fin décembre 2004 et d'autres à la fin décembre 2005. Il est probable que, si vous le souhaitiez, tous les mois, nous pourrions vous transmettre éventuellement l'état de la dette. Quant à vous dire que votre gestion a été aussi bonne que celle de M. Bonfasse, j'ai devant moi le tableau depuis les années 1999. C'était bien évidemment gestion Tahoeira. Votre gestion de la dette en 1999 a fait économiser 3 700 000. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est 220 millions. Donc, à mon sens, il n'y a pas photo. Je m'excuse, mais à mon sens, il n'y a pas photo. Merci. Donc, je mets au vote le chapitre 925. Chapitre 925, même vote. Même vote adopté. Donc, l'ensemble du total général solde et article 5, même vote. Même vote adopté. On passe à l'article 6. Article 6. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Voilà, monsieur le président. Merci. Donc, je mets la discussion est ouverte sur l'article 6. Monsieur Jean-Christophe Bissou. Merci, monsieur le président. Je voudrais demander à notre vice-président si son Rottweiler se porte bien. Merci. Plus d'intervention sur le 6, madame Lucette Taïro. Oui, moi, je souhaite réagir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une espèce de malhonnêteté intellectuelle. Quand on demande des chiffres sur l'excédent, on ne donne pas. Et quand ça plaît que donner des problèmes de l'endettement, mais ça veut dire aussi que, excusez-moi, mais vous n'avez rien fait pendant une période. Mais c'est ça que ça veut dire ici. Il ne faut quand même pas nous rouler dans la farine comme ça. C'est vrai qu'on a été au pouvoir, on sait lire et on sait quand même comment l'exercice, c'est comment le gouverner se fait. Il ne faut quand même pas nous prendre pour des riens, c'est pas normal. Cette malhonnêteté intellectuelle, moi je la dénonce. Très bien. Merci. Maruru, monsieur Jacques Brion. Monsieur le président, on peut comprendre effectivement que les dossiers qui vont suivre, notamment sur les chapitres concernant le pinard et les spiritueux, font monter déjà les vapeurs à quelques-uns. Merci, monsieur le vice-président. Mais oui, monsieur Jacques Brillant, mais je vous attends, mais là-dessus, je saurais quoi vous dire. Oh. Très bien, monsieur le vice-président. Monsieur le président, pour cette proposition de délibération, et merci pour l'avoir votée, et merci aux 32 représentants pour l'avoir votée. Je suis obligé de vous abandonner et rejoindre le Conseil des ministres. J'ai 7 dossiers qui m'attendent au Conseil. Merci. Merci, monsieur le vice-président. Alors, nous n'avons pas fini. Donc, je mets au voie l'article 6. Article 6, même vote. Même vote adopté. L'ensemble de la délibération, même vote. Même vote adopté. Merci, monsieur le vice-président. Explication de vote. Madame Nicole Bouteau. Oui, monsieur le président, une explication de vote, puisque le vote contre n'est pas conforme à ce que j'avais annoncé dans le cadre de la discussion générale. Et je m'en explique. J'ai pris note, monsieur le président, en fait, que vous nous renvoyez vers le contrôle de la Chambre territoriale des comptes. Je le regrette et vous m'étonnez, parce que vous nous avez habitués à de la démocratie au sein de cette Assemblée. Donc, venant de vous, j'en suis vraiment très étonnée. Et quel est le rôle de contre-pouvoir de l'opposition dans cet hémicycle? Donc finalement, aujourd'hui, le rôle de contre-pouvoir est donné à la Chambre territoriale des comptes. J'en prends note. Par ailleurs, je souhaite dire que nous n'avons pas besoin des médias pour nous exprimer dans cet hémicycle et que ce n'est pas nous qui en vont demander leur présence, mais nous saluons malgré tout leur présence puisque ça permet à la population de nous entendre.
Pour ma part, monsieur le vice-président, en plus du racisme, il y a d'autres attitudes que je trouve insupportables. C'est celle du mépris. Et c'est tout à fait l'attitude que vous avez avec nous aujourd'hui et d'autres jours. Et je note enfin que le gouvernement, la majorité, nous refuse la transparence et le droit à l'information qui est dû aux élus et à la population. Merci, monsieur Noa Tétouanoui. Merci, monsieur le président. Nous concernons, pour le groupe, monsieur le vice-président, c'est qu'on remarque que vous êtes venu aujourd'hui pour faire passer votre dossier de délibération. Et on remarque aussi que vous êtes intervenu, on dirait qu'il y a un passage de force pour faire adopter votre délibération. Et cette situation s'est retrouvée aussi au mois de novembre-décembre avec l'ancien ministre des Finances. Il y a un passage de force aussi. Et, monsieur le vice-président, cette délibération peut faire l'objet d'un recours. Peut faire l'objet d'un recours parce qu'il n'y a pas d'information qui a été fournie à tous les représentants présents aujourd'hui. On prendra le soin d'étudier encore ce dossier. Mais, monsieur le vice-président, comme on avait dit, comme on avait présenté dans notre rapport, il faut rester humble. Rester humble. Là, aujourd'hui, vous avez apporté vraiment votre mépris, comme disait notre collègue Nicole. Et ça, c'est pas bien pour vous, monsieur le vice-président. Ce n'est pas bien pour le gouvernement, ce n'est pas une bonne image, notamment face à la télévision. Maloud Varouramain. Merci, monsieur Jean-Christophe Bissou. Monsieur le Président, merci. J'ai donné les explications sur le vote contre que nous avons exprimé aujourd'hui. Et je ne pensais pas arriver au jour où je viendrais à regretter Émile Vonface. Et c'est vrai que lorsqu'on compare notre nouveau ministre des Finances à l'ancien ministre des Finances, bah finalement on se dit, l'ancien ministre des Finances, au moins celui-là, il répondait aux questions. Vous voyez ? Il était beaucoup plus démocrate. Alors on ose espérer que dans les jours qui viennent, notre vice-président, presque président, prendra peut-être l'initiative de bien réfléchir sur cette séance. Et viendra, lors des prochaines séances, à plus s'exprimer sur les questions qui seront posées par les représentants. Merci. Merci, monsieur Jacques Ibrion. Je voudrais d'abord dire à combien la capacité de l'opposition à s'exprimer, à poser toutes les questions, et même les questions qu'il fâche, l'opposition a le droit de les poser. Je crois que c'est quelque chose que, quoi qu'on dise, les téléspectateurs ont pu apprécier. Auparavant, ce genre de rapport ne se faisait pas. Bien évidemment, on n'est jamais satisfait de ce que l'on attend comme réponse. Et pour expliquer un petit peu cette réflexion, lorsque M. Bouissou regrette M. Vonface, je suis persuadé que lorsque M. Jacques Hydrolet ne sera plus là, il regrettera M. Jacques Hydrolet. En tout cas, pour nous, alors vous voyez, Monsieur le Président, à quel point nous sommes attachés à l'idée de la démocratie et que de cette démocratie que nous faisons vivre au présent, il est important que les téléspectateurs, au-delà de l'affichage médiatique, ils sachent qu'on est extrêmement attachés. Nous ferons en sorte qu'à l'avenir, ils soient encore meilleurs dans nos relations en tant que représentants. Merci, Monsieur Foster. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement dire que sur cette proposition de modification de notre budget général, nous l'avons soutenue pour plusieurs raisons. La première, c'est que le pays a besoin de travailler et doit disposer pleinement de son outil de travail. Deuxièmement, il y a donc un rapport
qui a été apporté par le tribunal sur ce sujet, il est certain que ce rapport impose également un délai, une date, pour que ce dossier soit réexaminé par notre Assemblée. Faute de quoi, le budget sera pris sous tutelle par le Haut-Commissariat. Donc, moi, je ne suis pas d'avis à ce que le budget de ce pays soit mis sous tutelle par la tutelle, et que nous sommes des représentants élus responsables, et que c'est à nous à décider de ce qui doit être fait conformément aux indications de la Cour des comptes. Donc, c'est ce qui nous est proposé aujourd'hui, sans autres implications que de régulariser une situation. Donc, c'est ce qui est fait. C'est pour cette raison que nous soutenons, car nous estimons qu'il faut que nous avancions et que beaucoup de projets, certes, attendent le gouvernement pour les mettre à exécution. D'autre part, il y aura certainement, très prochainement dans notre hémicycle, un autre débat concernant une deuxième modification budgétaire. C'est à ce moment-là, nous saurons exactement quel sera l'excédent qu'il faudra que nous répartissions dans les différents secteurs d'activité qui nous sera imposé et proposé. Donc, à ce moment-là, le débat sur ce sujet viendra s'impliquer à ce moment-là. Bon, bien sûr, je comprends que les interventions des uns et des autres est bien sûr intéressante et que le moment de discuter en séance plénière est bien sûr une occasion de s'exprimer. Et pour ma part, je reste simplement sur le fait qu'on nous demande de régulariser ce budget qui a été décliné avec son déficit. Donc aujourd'hui, c'est fait. S'il y a un doute, je crois que nous sommes suffisamment responsables pour éviter que la Cour des comptes se saisisse d'un déséquilibre à nouveau de ce budget ou de l'illégalité de ce que nous venons de prendre. Or, moi, je pense que si c'est le cas, c'est certainement encore une volonté de bloquer ce budget. Merci. Merci. Donc, tout le monde s'étant exprimé, je dirais pour ma part que ce collectif n'est qu'un collectif de rééquilibrage qu'a nécessité la procédure de déféré de notre budget entre les mains de la Chambre territoriale des comptes. Donc, je me réjouis que la majorité ait fait sienne et de ce rééquilibrage, puisque nous avons présenté ce projet sous forme de proposition de délibération. Ça nous a permis une plus grande transparence, même si toutes les réponses ou toutes les informations n'ont pas pu être présentées aux représentants de notre Assemblée, puisque vous savez très bien qu'au-delà du délai imposé par la procédure, nous aurions été obligés donc d'attendre que le règlement de le rééquilibrage de ce projet de budget, de ce budget plutôt, soit réalisé par le haut-commissaire. Et là, nous aurons souffert du manque d'informations puisque ce règlement aurait été effectué d'office. Donc, en tous les cas, merci les membres de la majorité d'avoir soutenu cette proposition de délibération. Pour l'heure, je vous propose donc une suspension de séance et je vous invite à reprendre les travaux à 14h. Donc, la séance est suspendue. Nous reprenons notre séance. J'aimerais vous dire que lors de la conférence des présidents, qui s'est réunie le mardi 28 février, il a été décidé que, compte tenu de l'ordre du jour chargé de la séance, celle-ci se déroulera sur plusieurs jours. Afin de respecter les dispositions de l'article 130 de la loi statutaire, selon lesquelles les représentants disposent d'un délai de 4 jours au titre du droit de l'information, le deuxième dossier relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française
portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 du Code général des impôts, mise en distribution le 28 février 2006, sera examinée plus tard. En conséquence, dans le cadre de la poursuite de nos travaux, nous passons au point 3 de notre ordre du jour. Alors, point 3. Oui, M. Bouissou. Madame la Présidente, bonjour. Entre le vote ce matin de l'ordre du jour qui comprenait ce point que vous venez d'évoquer, il y a eu un éclair d'intelligence entre midi et 14 heures, parce que je présume que le président aurait pu en parler ce matin. Est-ce que c'est réellement lors de la réunion des présidents de groupe que vous avez pris cette décision, auquel cas il aurait pu déjà introduire cette modification lors de la présentation de l'ordre du jour, que nous avons voté ce matin. Donc je m'étonne simplement que vous veniez maintenant nous proposer une modification de cet ordre du jour. Merci M. Bouissou. Je laisse M. le Président répondre à votre question. Merci Madame la Présidente, merci M. le Représentant. En fait, c'est en vertu du principe de précaution que nous prenons la précaution de la démarche. Nous avons remis en lecture un certain nombre de décisions prises par le Conseil d'État au sujet de son positionnement par rapport aux dates, au décompte des dates, et pour éviter de retomber encore dans le risque d'avoir à trouver dans le cadre de l'opposition qui siège au sein de cet hémicycle matière à recours, nous préférons décaler au sein de la même session donc l'examen de ce document qui n'est qu'un avis en fait, mais qui permettra néanmoins de respecter les 4 jours réglementaires de communication du dossier à l'ensemble des représentants, puisque je vous le rappelle, ce dossier a été mis en communication seulement le 28 février et donc les 4 jours réglementaires prévus par notre règlement intérieur n'est malheureusement pas respecté. Dans notre décompte à nous aussi, mais dans le décompte du Conseil d'État, nous avons des doutes. Donc en vertu du principe de précaution, on préfère s'abstenir d'avoir à débattre de ce dossier au cours de cette journée, mais par contre au cours de la même séance, bien entendu, cette séance extraordinaire, nous aurons apporté notre avis sur l'extension de cet article du Code des impôts que l'État veut étendre à la Polynésie par voie d'ordonnance. Merci. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Oui, Madame Mesturon. Oui, merci Madame la Présidente. Nous avons regardé dans le règlement intérieur et en ce qui concerne les avis, il n'y a aucun délai de préciser entre le moment où on remet le dossier et le moment où il peut être examiné, alors qu'il y a des délais précis pour les délibérations et les lois de pays. Donc, il me semble que le risque n'existe pas. Oui, Madame Messeron, je voudrais vous dire de vous référer à l'article 130 de notre statut concernant votre question. Ouais. Je vous ai lu ce qui a été décidé lors de la conférence des présidents. Nous allons passer au point 3 de notre ordre du jour. Alors, c'était point 3. C'était quelle conférence des présidents ? Moi, j'y étais pas, celle-là. Point 3. Débat sur les rapports d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Rapport numéro 1667 SG. Par lettre datée du 30 décembre 2005, le président de la Chambre territoriale des comptes a fait parvenir le rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion de l'Assemblée de la Polynésie française au cours des exercices
1996 et suivants, en application des dispositions de l'article L. 272-48 du Code des juridictions financières, ce rapport doit être communiqué à l'Assemblée dès la plus proche réunion et donner lieu à un débat. Alors, je vous rappelle que par rapport au temps qui a été donné pour ce débat sur ce dossier, sur ce rapport, c'est de 75 minutes. Vous avez le temps devant vous. Donc, j'invite le premier intervenant du groupe Tahuera Huilati à prendre la parole. Monsieur Fritsch. Oui, Madame la Présidente. Je ne sais pas de quel article 130 vous parlez, mais pour ce qui concerne les avis donnés par l'Assemblée de Polynésie française sur les actes de l'État, donc du haut commissaire, qui nous sont proposés, il n'y a aucun délai qui est prévu, Monsieur le Président de l'Assemblée. Si je me réfère à l'article 31 du statut, rien ne prévoit à nous imposer de délai pour l'examen de cela. Je vous garantis qu'il n'y a aucun recours possible si nous donnons et si nous respectons l'ordre du jour que vous nous avez proposé ce matin. En tous les cas, je m'y engage puisque rien ne prévoit dans ce sens au niveau du statut. Ce n'est pas une délibération, ce n'est pas une loi de pays, il n'y a aucun délai prévu. D'autant que s'il y a décalage, Madame la Présidente, moi, au nom du groupe Tahuera Huilatira, je voudrais vous proposer, par contre, de différer l'examen de certains rapports que vous nous proposez aujourd'hui concernant la Chambre territoriale des comptes. Puisque vous nous avez transmis que mardi matin, le rapport de la Chambre territoriale des comptes portant sur la gestion de la CETIL et la gestion des services financiers du pays. Là, ce n'est pas une histoire de délai imposé par le statut ou le règlement intérieur, c'est parce que nous n'avons tout simplement pas eu le temps de prendre connaissance de ces rapports. Mais sur le reste, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, Monsieur le Président de l'Assemblée. Je ne sais pas si vous pouvez nous préciser. On a regardé le statut et le règlement intérieur. Rien ne s'oppose à ce que nous examinions maintenant le point numéro 2 de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le Président. Je n'irai même pas chercher au niveau de la loi statutaire. On vous a mis en distribution le document le 28 février. Nous avons 4 jours réglementaires au sens de notre règlement intérieur pour respecter le délai de communication aux représentants. Donc, du règlement intérieur, des documents distribués aux représentants. Donc, quand on fait le décompte, nous n'avons que 3 jours à la date d'aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est notamment le délai que nous impose la loi pour étudier les avis qui nous sont communiqués par le gouvernement central, notamment s'agissant d'ordonnances. Et concernant ce document qui me semble avoir recueilli l'unanimité de l'ensemble des membres de la commission, je proposerai d'éviter qu'on ait à soumettre à nouveau notre avis à l'arbitrage du Conseil d'État, le cas échéant, ou bien du tribunal administratif, puisque les délais n'ont pas été respectés. Ce n'est qu'un principe de précaution, c'est tout. Ce n'est pas d'éviter d'avoir à nous prononcer sur l'avis au cours de cette séance extraordinaire, c'est uniquement la précaution de respecter les délais de transmission de 4 jours. Et si vous voulez, on peut se réunir demain en première heure pour continuer et poursuivre l'examen de cet avis. Comme ça, on aura au moins respecté le délai des 4 jours réglementaires. Oui, Monsieur Bouissou.
Merci Madame la Présidente. On vient d'écouter le Président de l'Assemblée nous donner ses raisons. Est-ce que Monsieur le Président de l'Assemblée peut nous donner l'article et les dispositions qui permettraient à un représentant d'entamer un recours devant la Chambre territoriale ou le Conseil d'État, ou je ne sais pas où il faut faire ce recours, parce qu'en réalité, il n'y a pas de disposition qui empêche le fait que nous puissions étudier maintenant ce dossier. La deuxième question que je poserai, c'est, comme nous n'avons pas de groupe, on ne participe pas aux réunions des présidents de groupe. Alors, expliquez-nous de quelle réunion il s'agit, qui sont les gens qui étaient présents. Madame la Présidente, vous nous avez dit tout à l'heure qu'une réunion des présidents de groupe s'est tenue. Bien, expliquez-nous qui étaient les gens qui étaient sur place et comment vous avez décidé de reporter ce dossier. Oui, alors comme vous savez, quand il y a réunion des... quand il y a la conférence des présidents, tous les présidents du groupe sont présents. Je pense que Mme Armel Merceron était là. Oui, je représentais notre président de groupe, M. Voilà. Fritsch. Donc, c'est ce qui a été décidé. Bien. Je demande au premier intervenant, M. Dutaouira Ouiratira, de prendre la parole. Allez, on avance. Monsieur Fritsch. Va regarder dans le rétroviseur, arrêtez-moi. Vous avez la parole, monsieur Fritsch. Ça dépend de la capacité de vision qu'on a. Tout est clair devant. Madame la Présidente, vous êtes en train de modifier l'ordre du jour de notre séance. Non, monsieur Fritsch, c'est bien la première fois qu'on modifie l'ordre du jour? Non. Alors, je ne vois pas pourquoi vous vous offusquez. Je ne m'offusque pas du tout. Votre représentante était à la conférence des présidents. La conférence des présidents, Madame la Présidente, vous n'y étiez pas. Non, alors, vous prenez la parole ou pas? La conférence des présidents a adopté l'ordre du jour que dont nous avons eu connaissance ce matin par la bouche même du président de l'Assemblée, à savoir qu'en point numéro 1 des dossiers à étudier aujourd'hui, nous avions le collectif budgétaire, qu'au point numéro 2, nous devions donner notre avis sur la modification du code des douanes, qu'au numéro 3, nous devions examiner les rapports de la Chambre territoriale des comptes. Dans ces rapports de la Chambre territoriale des comptes, nous nous apprêtions à vous demander de reporter l'étude de l'examen de certains rapports dont nous avions eu connaissance que mardi matin. Alors, vous êtes quand même bien d'accord avec moi qu'avant de reporter le dossier numéro 2, qui a fait l'objet d'un examen en commission, même s'il ne répond pas aux 4 jours prévus pour l'examen des rapports portant sur une délibération ou une loi de pays, parce que c'est ce que prévoit l'article 130 que vous venez de citer, Madame la Présidente. Modifions l'ordre du jour de façon à donner à l'Assemblée le temps d'examiner le rapport lié à la CETIL, le rapport lié au ministère, au service financier du pays. Modifions l'ensemble de l'ordre du jour, c'est ce que nous vous demandons. Vous nous mettez en avant le peu de temps que nous avions eu entre l'examen de la commission et aujourd'hui pour ce qui concerne le projet d'ordonnance. Mais Madame la Présidente, c'est le seul dossier sur lequel nous sommes tous d'accord aujourd'hui. C'est ce que vient de dire le Président. Nous sommes tous d'accord, nous émettons un avis défavorable. Pourquoi voulez-vous reporter ce dossier? Je ne comprends pas quelle est votre logique. Donc je vous propose en conséquence de modifier l'ensemble de l'ordre du jour. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, c'est vrai que nous ne sommes plus en direct à la télévision. Profitons-en. Personne ne nous regarde. Profitons-en. Il y a des dossiers importants, autres que ceux-là, qu'il faudrait peut-être examiner maintenant. Bon, nous continuons. Monsieur Fritsch, prenez la parole.
Sinon, je passe la parole aux non-inscrits. Les non-inscrits, quelqu'un veut-il prendre la parole? Sur le rapport, je vous ai lu le rapport sur la présentation du rapport sur l'APF. Monsieur Bouissou. Madame la Présidente, nous sommes sur le point numéro 3 maintenant. Oui. Oui. De votre seule autorité, vous avez décidé de passer au point numéro 3. Nous avons voté ce matin et vous nous dites, on est en direct ou on n'est pas en direct à la télévision là? Moi j'ai l'impression qu'on est en direct. Bien, Madame la Présidente, la parole libérée nous empêche de faire valoir un point sur lequel nous avons tranché ce matin et vous allez décider seul de modifier l'ordre du jour. Ou alors est-ce que vous allez vous conformer à la loi et appliquer l'ordre du jour qui a été voté ce matin? Une question simple que je vous pose. Alors maintenant, vous avez une ligne au milieu, soit vous vous mettez à gauche, soit vous vous mettez à droite. Mais moi, ce que je vous propose, c'est que vous vous conformiez à la décision qui a été prise ce matin. Si vous décidez de passer au point numéro 3, vous transgressez la loi. Monsieur le Président. Bon, ben écoutez, Madame la Présidente, conformément au règlement intérieur, mettons la modification, si tant est qu'on considère ça comme une modification, au vote, c'est tout. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Oui, pas pour répéter encore un mot. Non. Soyez pas pressés. Madame la Présidente, ce matin, il y avait des représentants ici qui ont voté. Oui. Alors, je veux bien que notre président de l'Assemblée nous propose de revenir sur le vote, mais j'estime quand même que c'est faire fi de l'importance de certains représentants qui ne sont pas ici présents avec nous. Vous allez modifier l'ordre du jour en fonction de ceux qui sont présents ou de ceux qui sont absents. Je crois que nous étions beaucoup plus ce matin ici dans l'hémicycle. Moi, je ne suis pas d'accord sur la proposition du président. C'est trop facile. Lorsque ça nous arrange, on change. C'est pas tout à fait la démocratie, là. Donc, nous, on vous propose simplement de revenir sur l'ordre du jour. Un dossier très simple, finalement. Personne ne va attaquer devant le tribunal, on vous rassure de ce côté-là. À moins que ce soit un autre problème. Peut-être que l'autre problème, c'est que vous préféreriez que ce soit le dossier suivant qui passe maintenant, parce que ça passe à la télévision. C'est peut-être ça qui vous intéresse. Mais si c'est ça qui vous intéresse, alors je vais vous poser une question. Comment se fait-il que les rapports de la Chambre territoriale des comptes soient parvenus à la presse? Parce que finalement, nous sommes tous des représentants. C'est un peu comme le dossier sur le nucléaire. On a l'impression que finalement, les représentants que nous sommes, nous n'avons pas beaucoup d'importance dans votre démocratie. Parce que lorsqu'on vous transmet des dossiers pour que nous puissions débattre dans cet hémicycle sur ces dossiers, ben, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui s'amuse à transmettre ces dossiers pour que ce soit débattu ailleurs que dans cet hémicycle, alors que nous sommes les représentants du peuple. Et je le dis ici, non pas pour dire que nous ne sommes pas pour la transparence, nous sommes pour la transparence, mais une vraie transparence, celle qui permet aux élus de pouvoir débattre et en même temps que la population puisse suivre ces débats. Envoyer à la presse, comme vous le faites, c'est orienter l'esprit de la population. Et c'est certainement la raison pour laquelle vous souhaitez que ce soit ce dossier qui passe maintenant, parce que peut-être que TNTV a des problèmes d'horaire. Non, vous n'êtes pas en direct, là? Mais vous allez retransmettre certainement après, c'est ça? Bien. J'ai remarqué d'ailleurs que sur TNTV, il y a eu une émission, c'était pratiquement une réunion publique du Tavini Huiratilo.
C'est une réunion bon, sur le Rousseau, ne, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas ce que je suis en train de dire. La parole est libérée. Oui, allez-y, mais ne prenez pas toute l'après-midi. Et vous faites des réunions politiques sur TNTV. C'est un véritable scandale. Un véritable scandale. Vous avez la ministre de la Condition féminine. Vous avez le directeur de l'OPH. Et vous avez des gens qui applaudissent sur des critiques faites par rapport à l'ancienne politique du logement social. Je trouve ça vraiment détestable. Alors, j'espère que c'est bien filmé et que vous passerez ça à la télévision pour dire qu'il y a vraiment une grande partie de la population, pour ne pas dire une majorité, si on en croit les sondages, qui sont vraiment pas d'accord avec vous. Merci. C'est pour ça que vous prenez longtemps à parler, parce que la caméra est sur vous. N'est-ce pas, M. Bouissou? Bien, nous allons passer au vote. Pour la modification de notre ordre du jour, c'est-à-dire nous passons le point 3 avant l'avis. Voilà. Alors, qui sont pour? Madame la Présidente, j'ai une question à vous poser. 29 voix pour. Est-ce que, qui sont contre? Quelles sont les procurations que vous avez? Qui s'abstiennent? Quelles sont les procurations que vous avez? Deux abstentions. Au vote. Je demande au secrétaire de lire les procurations. Nous avons reçu les procurations de M. Domingo Dauphin, Mme Pater Delia, de M. Flos Gaston, Mme Théora Eriti, de M. Fosset et Maury et Mme Tamara Bob-Dupont, de M. Lison Marcelin, M. René Koumoutini, de Mme Maraya Ima, Mme Armel Merceron, de M. Myron Matawa, Mme Juliana Mati, de Mme Naya Tripaya, à Maron, à M. Pihatin André, de Mme Olivier Marais, à M. Jean-Michel Calson, de Mme Parker Eleanor, à Mme Pascal Haïti, de Mme Richton Monique, à M. Noat Etonoui, de M. Rivetta Frédéric, à Mme Juliette Ahouatama, de Mme Rochette Stella, à Mme Françoise Tama, de M. Soumès Eugène, à Mme Linda Taharagi, de Mme Lucette Taïro, à M. Howard, de Mme Tahiata Chantal, à M. Géro Santoni, de Mme Tétonou Ilana à Mme Romance Flore, de M. Tongson Gaston à M. Bruno Sandras, de Mme Touichou-Bouillard Catherine à M. William Wongchou, de M. Yib Michel à M. Teina Mareura. Est-ce que, si on comprend bien, les trois élus des îles n'ont pas donné procuration à votre majorité? Oui. Qui a la procuration des élus des îles? Vous avez demandé qu'on vous lise la liste des procurations, on vous a lu. D'accord. Donc les trois autres n'ont pas donné procuration? Oui. À qui? Vous n'avez pas bien écouté. Vous avez quatre procurations, Madame la Présidente? Est-ce qu'on peut recompter maintenant les voix en fonction des procurations? Nous sommes 29. Ça, c'est chinoisé, ça s'appelle. Rosina n'est pas d'accord. Je ne sais pas ce que Mme Sinfo peut en penser de votre chinoiserie à vous. Mme Sinfo n'est pas d'accord, peu importe. Bien, alors on arrive aux choses sérieuses. Alors ne dites pas que la parole n'est pas libérée. Hein. Alors là, elle est drôlement libérée. Tout le monde a eu le droit de parler. Donc je réinvite le premier intervenant du Tahoeira Wiratira à prendre la parole. Oui, Madame la Présidente, vous avez droit à Lucette Taïro. J'ai droit. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, avant de présenter mes observations et remarques sur le rapport définitif de la Chambre territoriale des comptes de Polynésie française sur la gestion de l'Assemblée de Polynésie au cours des exercices 1996 et suivants, plus précisément jusqu'au 1er septembre 2004. Je souhaite que mes propos ne soient pas pris comme une critique de l'institution, que je respecte profondément, mais juste pour ce qu'elle est, une réaction à ce que je considère être une provocation. J'ai une trop haute opinion des institutions de la République, et notamment de son système juridictionnel, pour admettre sans rien dire une dérive. Je m'explique.
selon les éléments suivants du rapport de la Chambre. Premièrement, les suites données au contrôle précédent. Si je note avec satisfaction que la Chambre constate, après 2002, le respect des procédures, notamment celles concernant le visa du contrôleur des dépenses engagées, elle s'étonne cependant que des charges aient dû être reportées alors que les crédits nécessaires étaient disponibles sur l'exercice. Vous vous doutez bien que c'est un problème sous-jacent de services financiers administratifs de l'Assemblée de l'époque. Oui, Madame la Présidente, et vous toutes, Mesdames et Messieurs les représentants, d'où des réformes en profondeur nécessaires et indispensables ont été initiées dès ma prise de fonction. Et d'ailleurs, je regrette que la Chambre n'ait pas jugé bon de souligner quelques-unes des procédures et réglementations mises en place sous ma gestion, visant une utilisation plus transparente des deniers publics et un renforcement des contrôles. Ainsi, pendant ma présidence, j'ai pris les dispositions suivantes. Réorganisation des services afin de nommer des cadres administratifs compétents dans les domaines sensibles, notamment les finances et le personnel. Deuxièmement, la passation des marchés publics, lorsque les seuils l'exigeaient, est mise en concurrence de plusieurs fournisseurs dans tous les autres cas. Vous pourrez vérifier que c'était une nouveauté à l'Assemblée. Troisièmement, l'organisation d'épreuves de sélection pour le recrutement de personnel dans des conditions de neutralité absolue, épreuves et corrections émanant de personnel de l'éducation nationale. Le principe d'égal accès aux emplois publics a toujours été strictement respecté, ce qui constitue également une nouveauté. Ensuite, la mise en place d'inventaires comptables et physiques. Vous pourriez objecter que c'était la moindre des choses, mais vous pourrez également constater qu'avant mon arrivée, aucun contrôle de matériel et fournitures n'était possible. Le tout est désormais informatisé. C'est encore une nouveauté qui, me semble-t-il, va dans le sens de la transparence et de l'amélioration du contrôle de l'usage des deniers publics. La préparation des budgets, après évaluation stricte des besoins et contrôle permanent des dépenses, vous avez noté que les crédits de personnel de cabinet, objet de vos critiques, n'ont pas augmenté pendant mes 3 mandats. Vous avez constaté également que 800 millions ont été reversés au territoire, ce qui est le signe d'une gestion économe des deniers publics. Vous avez remarqué que j'ai tenu pendant toute la durée de ma présidence à signer moi-même tous les bons de commande, marchés et contrats afin de mieux contrôler les dépenses. Il y a eu aussi les mises en place de réglementations et contrôles de l'utilisation des véhicules. C'était aussi une nouveauté. La suppression des achats de toute boisson alcoolisée depuis ma nomination à la présidence, c'était aussi une nouveauté, dont M. Géros n'a pas la primeur. L'évolution des principaux postes de dépenses. Je n'ai pas de commentaire particulier à apporter à l'évolution comparée de ces postes de dépenses. Néanmoins, je note simplement 3 éléments qui peuvent éclairer le constat de la Chambre. Afin de réorganiser les services, j'ai nommé des cadres administratifs compétents dans les domaines sensibles, notamment dans la gestion des finances et du personnel. Sur la période de 1997 à 2002, c'est le poste personnel de cabinet qui a le moins augmenté, 8% en 7 ans. Les crédits inscrits à la ligne personnel de cabinet sont restés inchangés pendant toute ma présidence. Les dépenses liées à ces personnels n'ont, de plus, jamais épuisé ces crédits. S'agissant de la liste des emplois budgétaires, je note que la Chambre souligne que sa demande a été partiellement satisfaite, en ce sens que la liste des emplois permanents est désormais détaillée et communiquée à l'Assemblée. La Chambre indique toutefois que l'Assemblée n'est que partiellement informée des emplois cabinets. Les emplois par nature précaire sont liés au choix des élus et à la durée de leur mandat ont été, à juste titre, semble-t-il, séparés des emplois permanents liés au fonctionnement des services administratifs de l'Assemblée. Aussi, des crédits nécessaires à leur rémunération ont-ils été inscrits au chapitre 933 et ainsi votés par l'Assemblée. Et il ne fait aucune obligation de communiquer une liste des emplois de cabinet, d'ailleurs soumise aux aléas du renouvellement des mandats annuels des conseillers élus par leur pair aux différents postes de responsabilité prévus par le règlement intérieur. Au chapitre importance des effectifs des cabinets. Pour critiquer le nombre d'agents recrutés dans les cabinets, la Chambre fait référence aux emplois de cabinet auprès des maires, des présidents de conseils généraux ou régionaux.
Outre qu'en régime d'autonomie, la Polynésie française n'a pas d'obligation de plagier les structures métropolitaines, la Chambre ne dit rien des personnels administratifs souvent mis à la disposition de ces structures et qui viennent renforcer le nombre des agents officiels. Cette pratique avait aussi cours à l'Assemblée. J'y ai mis fin dès ma prise de fonction, parce qu'elle désorganisait les structures administratives de l'Assemblée, parce qu'elles étaient la cause de gestion inéquitable du personnel, d'ailleurs de longue date critiquée par les syndicats. J'ai privilégié une étanchéité indispensable au bon fonctionnement de tous les rouages de l'institution entre les personnels des services et ceux de cabinet. Par ailleurs, bon nombre de ces agents de cabinet bénéficiaient de contrats à temps partiel, ce qui mathématiquement augmente leur nombre pour tenir ces emplois en termes d'équivalent temps plein. Le contenu des contrats de travail. La Chambre s'interroge sur le bien fondé de la clause d'exercice en n'importe quel point du territoire. Cette clause est contenue dans les contrats types en vigueur depuis l'autonomie de la Polynésie française et, à mon sens, son intérêt réside dans la possibilité ainsi ouverte d'autoriser des missions occasionnelles pour les membres de cabinet, le lieu de travail devant être précisé en droit privé. Les tâches effectuées par les agents. Je n'ai pas de commentaires à apporter sur les pratiques de mon prédécesseur, mais la Chambre a omis d'énumérer et de chiffrer le nombre d'agents sous le mandat Justin à Paris, rendant à César ce qui est à César. En revanche, je confirme qu'un contrôle des présences des agents et des tâches exécutées est régulièrement exercé, tant par mes soins que par ceux des élus. L'évolution des dépenses en matière de rémunité versées aux élus, sans commentaire de ma part sur les constats de la Chambre. Les véhicules et leur utilisation, seul commentaire à apporter. Dès mon arrivée, j'ai fait prendre une réglementation sur l'utilisation des véhicules jusque-là inexistante. Ah, le compte, enfin 606, fête et cérémonie. Les médias ont fait état d'un triplement de cette ligne budgétaire, oui, effectivement. Non pour faire la bringue, mais pour l'opération dictionnaire pour tous les élèves de 6e de la Polynésie française et l'opération Assemblée Junior. Ces opérations n'existent plus et il me semble que ce montant à l'heure actuelle est toujours maintenu. Mais en conclusion, j'ai défini ces normes et je me félicite que le président de l'Assemblée de Polynésie française actuelle ait pris le bon chemin que j'avais indiqué. Je vous remercie. Merci, Madame Tairo. Est-ce que quelqu'un du groupe des non-inscrits veut prendre la parole? Ou Madame Bouton? Oui, je vais effectivement dire un mot concernant ce rapport de la Chambre territoriale des comptes, mais je voudrais faire une observation générale au départ. M'associer à la remarque de Jean-Christophe Buissou sur le fait que moi aussi, de plus en plus, on s'aperçoit qu'un certain nombre de dossiers, avant d'être soumis à l'examen des représentants, en fait, est dévoilé par la presse. Sur le principe, effectivement, disons qu'il y a une information qui est donnée. Ce que je trouve dérangeant, c'est qu'on débatte une fois finalement que le débat a déjà été sur la place publique. Je ne sais pas si c'est fait sciemment, ou est-ce que ce sont effectivement des membres de cabinet qui diffusent les informations, mais je l'avais signalé dans le cadre de la commission sur les conséquences des essais nucléaires. Je trouve aussi dommage que là, eh bien, finalement, on n'a plus grand-chose à dire, il suffit de reprendre la presse pour pouvoir commenter ces différents rapports. Quoi qu'il en soit, sur les 4 rapports qui nous sont soumis pour discussion, je dirais que de manière générale, la Chambre territoriale des comptes s'est attachée à passer en revue la gestion d'institutions ou d'établissements durant la gestion de l'ancienne majorité et sur l'Assemblée depuis 1996. Alors, je n'aurai pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'ai pu noter à la lecture du rapport que de 1997 à 2001, la Chambre territoriale des comptes souligne, et je pense que c'est un point important et un fait important, que les charges du personnel de cabinet de l'institution étaient égales, voire supérieures, aux charges du personnel permanent. Je pense que c'est effectivement une indication importante, puisque le poids budgétaire du cabinet de l'Assemblée était équivalent aux services
qui font fonctionner en fait quotidiennement l'Assemblée de la Polynésie française. L'autre point que j'ai pu relever par rapport à l'importance des effectifs des cabinets, c'est la comparaison que s'est amusée à faire la Chambre territoriale des comptes par rapport aux régions, départements et grandes villes de France, puisqu'elle indique que, alors que les régions, départements ou grandes villes de métropole ne comptent en général que 5 à 6 emplois de cabinet auprès des maires, présidents de conseils généraux ou de conseils généraux, l'effectif des agents recrutés dans les cabinets à l'Assemblée est sans commune mesure et induit des charges salariales importantes. Ensuite, un autre point, et ça nous concerne, nous, plus particulièrement les élus, c'est à la lecture de ce rapport, en fait, que j'ai pris connaissance de la progression de plus de 60% de 97 à 2002 de l'indemnité des élus de notre Assemblée. Et la commission, enfin la Chambre plutôt, soulignant le fait qu'il aura fallu attendre 2004 pour qu'il y ait une baisse de 14% de cette indemnité des élus. Enfin, et là je m'adresse à la majorité actuelle, j'ai souvenir, aussi bien me concernant, mais également des interventions de l'ancienne opposition, que nous avons demandé régulièrement à chaque examen de budget, que ce soit le budget du pays ou le budget de l'Assemblée, de pouvoir disposer de la liste des postes au sein des cabinets. Alors c'était récurrent, puisqu'à chaque fois, nos demandes restaient sans réponse. Et il y a une observation qui est faite dans ce rapport, puisque la Chambre territoriale des comptes estime que les dispositions d'une délibération qui est citée devraient entraîner cette transmission d'informations. Ben, on a pu constater que dans le cadre du budget 2006, aussi bien pour l'Assemblée que pour le pays, nous n'avons pas eu accès à ce type d'informations. Donc j'espère que les recommandations de la Chambre territoriale des comptes seront désormais suivies. Et enfin, petite, effectivement, je ne sais pas si c'était une petite note d'humour de la Chambre territoriale des comptes, mais elle a tenu à souligner dans le dernier point de son rapport une forte consommation des vins et spiritueux entre 1997 et 2000. Je terminerai mon propos en indiquant, et sans vouloir insister trop sur le fait, qu'on a pu quand même constater que depuis, les choses ont quelque peu changé, puisque de 12 commissions, nous sommes passés à 9, puisque l'indemnité des représentants a été diminuée et puisque l'Assemblée fonctionne, et j'espère qu'elle pourra le faire encore, à budget constant d'un exercice à l'autre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Bouteau. Est-ce que le temps aura un autre intervenant? Madame la Présidente, par respect de la représentation au sein de l'Assemblée, nous laisserons la parole à l'UPLD. Madame Chinfou. Alors, vous voyez, on vous écoute quand même. Madame Rosina Chinfou. Merci, Madame la Présidente. C'est pour vous dire que je vous aime. Je laisse la priorité à l'UPLD. Rebonjour à ceux des personnes dans le public et qui sont arrivées cet après-midi. Mais avant donc d'intervenir, je vais dire à M. Buissou et à Mme Bouteau que ces rapports émanent donc de la Chambre territoriale des comptes. Il ne faut pas qu'ils laissent croire que si ces dossiers ont été commentés dans la presse, que c'est du fait de l'UPLD, donc non, de la majorité. C'est du fait de la Chambre territoriale des comptes. Donc, bien sûr. On ne sait pas, donc il fallait que vous prouviez donc d'où viennent ces fuites. Bon. L'examen du rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion de l'Assemblée appelle les remarques suivantes. Au sujet des indemnités du personnel de cabinet, il convient de noter que grâce au TAOUI, les effectifs du cabinet de la présidence de l'Assemblée sont passés de 55 à 14 personnels, tous en poste au sein de l'Assemblée et non pas comme il a été constaté dans le passé, affectés dans les îles ou à la permanence du Tahoeta.
D'une façon générale, les crédits affectés à la rémunération du personnel de cabinet vont sensiblement baisser du fait de l'application du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée. En effet, précédemment, les collaborateurs des vice-présidents et des présidents de commission étaient recrutés sur des contrats de cabinet. Désormais, ils seront directement rémunérés par les élus sur les crédits collaborateurs. On assiste donc à un transfert de charges et une répartition plus équitable, puisque tous les élus ont droit à des crédits collaborateurs sans aucune augmentation du budget. Cependant, les reliquats de crédits non consommés du chapitre 933, pouvoir public constaté les années précédentes, tendront à diminuer sensiblement. En ce qui concerne les indemnités des élus, également grâce au TAWI, et malgré l'augmentation du nombre des élus siégeant au sein de l'institution, de 49 à 57, une baisse courageuse et conséquente des indemnités de moins 14% a été décidée afin de ne pas engendrer des coûts budgétaires supplémentaires. S'agissant du parc automobile de l'Assemblée, il a été procédé depuis à la mise à la réforme de véhicules anciens. Le parc s'élève désormais à une trentaine de véhicules. Le président de l'Assemblée ne dispose plus que de 2 véhicules de fonction. En ce qui concerne les dépenses de fêtes et cérémonies, considérées depuis toujours comme une dépense somptuaire, la Chambre territoriale n'ayant pas eu suffisamment de recul, n'a pas pu constater une diminution de ses dépenses sous la nouvelle majorité. Mais les chiffres d'exécution la confirmeront. Par ces quelques exemples, on peut donc constater que la nouvelle majorité a une attitude plus responsable et économe dans la gestion des deniers publics. Je vous remercie. Merci, Madame Chungfu. Le Tahoeira a la parole. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais intervenir sur ce dossier tout d'abord pour dénoncer les propos qui viennent d'être tenus par Madame Chinfo, qui, en fin de compte, renvoie à la Chambre territoriale des comptes la diffusion des informations sur les différents rapports définitifs qui ont été diffusés par la presse ou exploités par une certaine presse orientée. Et vous savez très bien de quelle presse je veux parler, j'y reviendrai un peu plus tard. Madame la Présidente, vous savez que ces rapports de la Cour des comptes sont transmis à un nombre limité de personnes. Parmi ces personnes figurent la Chambre des comptes, naturellement, le président du pays, le président de l'Assemblée de Polynésie française, et c'est pratiquement tout. Qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui que c'est par accident que cette presse orientée ait pu entrer en communication avec les éléments du rapport de la Cour de la Chambre des territoriales des comptes. Ce sont des accidents que l'on peut expliquer, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est d'observer la façon dont vous vous ruez sur les rapports de la Cour des comptes comme... Mais de la façon dont vous vous ruez sur les rapports de la Cour des comptes pour encore une fois tenter de limoger le Tahoeira Wiradri et surtout son président Gaston Flosse. Naturellement, vous avez toute marge d'utiliser ces rapports comme vous le souhaitez, mais néanmoins, Madame la Présidente, quand j'ai vu ce matin TNTV retransmettre nos débats, je me suis dit que vraisemblablement, nous allons rapidement parler de ces rapports de la Chambre des comptes. Malheureusement, l'opacité de votre gestion sur les finances de ce pays a fait que nous avons traîné en longueur. Et j'étais vraiment, mais alors sacrément surpris
de voir que TNTV, pour remplacer le débat qui n'a pas eu lieu ce matin sur le rapport de la... Madame la Présidente, je voudrais que vous me regardiez. Madame la Présidente, oui. Donc... Il vous reste 12 minutes. Ayant observé ce matin que malheureusement l'opacité de votre gestion sur les finances du pays avait fait que nous avons tardé en longueur, LANGUEUR, sur la discussion de ce collectif budgétaire, TNTV n'a pas pu continuer cet après-midi la retransmission de nos débats. Mais par contre, a pu remplacer sur le champ, mais alors d'une façon très rapide, la retransmission des débats que nous avons, enfin, je n'ai pas regardé jusqu'au bout, excusez-moi, mais des débats que nous avions programmés, que vous aviez programmés à la télévision dimanche soir, rassemblant sur un même plateau des personnalités rémunérées tous sous des fonds publics pour critiquer et tenter de crucifier Gaston Flosse encore une fois. Alors, Madame la Présidente, je trouve que ce débat honteux qui a été organisé dimanche soir autour du rapport de la Chambre territoriale de compte ne peut pas nous élever tous à un niveau qui serait digne du nôtre. C'est la raison pour laquelle, Madame la Présidente, nous vous avons demandé tantôt de reporter l'examen de certains rapports qui nécessitent vraiment une étude pointue de la part des élus de cette Assemblée, car beaucoup de choses peuvent être dites et analysées dans ces rapports. Mais qu'on ne vienne pas nous dire ici, comme le fait Madame Chinfo, que c'est un petit peu par accident que tout cela s'est retrouvé dans la place publique. D'ailleurs, je voudrais remercier cette presse parce que c'est grâce à elle, en fin de compte, que nous avons eu connaissance de certains dossiers que nous allons étudier aujourd'hui ou vraisemblablement jeudi prochain. Alors, Madame la Présidente, je renouvelle ma demande que soient reportés certains de ces rapports de façon à ce que nous puissions contribuer beaucoup plus à la réflexion sur le fond de l'analyse qui a été faite par la Chambre territoriale des comptes de notre pays, naturellement, puisque ça concerne notre budget, ça concerne notre gestion. Madame la Présidente, je pense que vous devriez accepter notre proposition et que nous arrêtions de nous taper dessus, comme vous le voyez depuis le début de cette séance, car je pense que ce n'est pas, ça ne grandit pas nos débats au sein de cette Assemblée. Merci. Merci, M. Fritsch. Les non-inscrits veulent-ils prendre la parole? Monsieur... Madame la Présidente... Non, vous voulez prendre la parole? Bah, écoutez, vous m'avez posé une question. Allez-y. Je prends la parole. Madame la Présidente, vous savez, l'installation de la Chambre territoriale des comptes a été voulue par l'ancien gouvernement. Parce que j'ai l'impression de temps en temps que vous l'oubliez. Et je le dis maintenant parce que j'estime quand même que dans tout ce débat, on oublie que la transparence a été voulue par les hommes et les femmes politiques qui vous ont précédé. Et si aujourd'hui nous sommes dans cet hémicycle pour discuter sur ces rapports, c'est parce que ça a été voulu et il y a eu une volonté politique pour que ce soit ainsi. Je vous rappellerai que la Chambre territoriale des comptes était en Nouvelle-Calédonie, et que c'est à la demande de l'ancien gouvernement que cette chambre territoriale a été ensuite installée en Polynésie française. Et c'est d'ailleurs le statut de 2004 qui oblige la présentation de ces rapports aux représentants que nous sommes. Alors, ne voyez pas, chers amis et collègues de l'Assemblée, une quelconque volonté, et je m'y inclus, pour y avoir participé, le fait de ne pas vouloir la plus grande transparence dans la gestion des deniers publics. Alors, puisque nous sommes sur le rapport concernant l'Assemblée de la Polynésie, vous savez, je l'ai moi-même traversé, pacotille. Qu'est-ce qui est dit dans ce rapport?
Il est dit dans ce rapport, il faut plus de transparence. Il faut que les élus, sur les recrutements, fassent en sorte qu'il y ait une plus grande transparence dans ces recrutements. Et je fais remarquer d'ailleurs que notre président, ici, a suivi ces recommandations. Et je trouve d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous avons une situation qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus nette que celle qui existait auparavant. Oui, je le dis, mais en même temps, vous savez, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et nous sommes dans cette transformation, dans cette évolution. Alors, je ne sais pas, il y aura peut-être Jackie Briand qui va intervenir après moi, parce que à chaque fois, c'est le cas, tel un roquet. Et quelqu'un qui me disait dans les rues de Papeete tout à l'heure, mais pourquoi Jackie Briand, à chaque fois, te saute sur le pantalon comme pour arracher le mollet. Je dis, ben, vous savez, c'est un peu comme ces roquets, c'est un peu son rôle en politique et dans cette majorité. C'est vrai que Jackie Briand fait l'objet de, disons, du bulldog, quoi. J'allais dire roquet, mais c'est peut-être un peu plus important qu'un roquet. Je veux bien lui consentir le fait d'être un peu plus imposant qu'un petit caniche, vous voyez. Et donc, il interviendra peut-être après pour nous sortir encore des élucubrations sur ce rapport. En réalité, ce rapport ne traduit absolument rien, sinon simplement qu'il y a besoin d'une plus grande transparence. Et nous sommes bien d'accord sur cela. Merci de m'avoir donné la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Bouissot. Ah, voilà. Monsieur Briand. Merci, Madame la Présidente. Non, je n'ai pas l'habitude d'avoir des goûts particuliers pour des hommes au niveau de leurs pantalons. Si c'était tel le cas d'une telle insinuation. Je ne me sens pas le roquet de quelqu'un, mais mon voisin me disait que vous aviez un caniche et vous l'avez prénommé Gaston. Il est mort, malheureusement. C'était pas Monsieur un caniche. Monsieur Bouissot confirme bien que son caniche s'appelait Gaston. Bien. Les grands enfants ont fini. Bien, alors, on repasse aux choses sérieuses. Je passe la parole à Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur Tony Géros. Merci, Madame la Présidente. Alors, chers collègues, Mesdames et Messieurs, j'essaierai, comme à mon habitude, d'être le moins polémique possible. Donc, il me revient aujourd'hui de présenter devant vous le rapport portant observation de la Chambre territoriale des comptes concernant la gestion de notre Assemblée durant les années 96 à 2004, et donc essentiellement ce qui concerne la gestion de mes prédécesseurs, pour ne pas les nommer, donc Madame Taïro, qui est intervenue incessamment, et Monsieur Arabari. La part m'étant destinée n'étant qu'extrêmement résiduelle. Globalement, la situation de notre Assemblée est bonne, ce qui se ressent d'ailleurs physiquement, puisque au point nous sommes largement battus par la teneur des autres rapports inscrits à notre ordre du jour. Et je salue en cela les représentants de la Chambre territoriale des comptes. Paradoxalement, c'est plutôt bon signe, puisque la Chambre a finalement, s'agissant d'un budget qui pèse tout de même 3 milliards de francs pacifiques, trouvé peu à redire sur les équilibres fondamentaux de notre gestion, contrairement au dernier budget dont nous avons approuvé le collectif de rééquilibrage ce matin. La Chambre délivre d'ailleurs à ce sujet un satisfecit, certes mitigé, concernant les réponses apportées à ces observations précédentes. Je préciserai sur ce point particulier que les observations relatives au non-respect de l'article 113 de la loi organique ont été levées avec l'adoption par l'Assemblée de la délibération 2005-122 mettant fin à la possibilité de maintenir un fonctionnaire élu en position d'activité dans son ancien corps. Je m'y étais engagé et effectivement le rapport l'a repris. Malheureusement, il y a eu des dérapages, et qui plus est des dérapages révélateurs d'une conception du pouvoir politique selon laquelle servir, c'est se servir.
Certes, je ne crois pas nécessaire d'insister sur le chapitre des indemnités des représentants. Mais il est tout à fait exact de constater que le montant de cette indemnité a fortement augmenté en 2001 pour atteindre 855 000 francs CP par mois et qu'il a pu apparaître très fortement disproportionné par rapport au salaire d'un smicard de l'époque, environ 90 000 francs CP. Mais je crois que l'on peut tempérer un peu le réquisitoire de la Chambre sur ce point, et vous n'en démordrez pas, puisque l'une des premières mesures du TOWI a été justement, comme l'a rappelé Mme Chinfou, de réduire de 100 000 francs le montant de l'indemnité des élus. Le rééquilibrage vers plus de mesures a donc été fait, et a été fait par la nouvelle majorité, je tiens à le souligner. Enfin, sans chercher à alimenter la polémique, je crois qu'il faut relativiser le montant de notre indemnité néanmoins, par rapport aux chiffres concernant les parlementaires nationaux, nos pairs de la nation. Certes, l'indemnité de base de chaque parlementaire, député ou sénateur, est d'environ 5 300 euros net par mois, soit 632 000 francs CP. Mais je rappellerai que chaque parlementaire perçoit également une indemnité représentative de frais de mandat et qui s'élève à environ 5 600 euros par mois, soit 668 000 francs CP. Et qu'en plus, les sénateurs bénéficient d'une indemnité supplémentaire d'hébergement mensuel d'un montant, certes, de 308 euros, donc 36 750 francs. Ce qui fait tout de même un total d'environ 1 300 000 francs par mois, et même un peu plus pour les sénateurs, si l'on tient compte de ce petit chouïa de 308 euros. Je préciserai en outre que les parlementaires disposent d'un crédit affecté à la rémunération d'un ou plusieurs collaborateurs, soit 8 469 euros pour un député, plus d'un million de francs CP par mois, et 6 890 euros pour un sénateur, 822 000 francs CP. Quant aux parlementaires européens, j'indiquerai que leur rémunération tourne autour de 19 000 euros par mois, 2 267 000 francs par mois. La comparaison n'est donc pas forcément au détriment des élus de Polynésie française, et on peut s'enorgueillir, alors que leurs missions sont devenues sensiblement identiques à celles des parlementaires et que la fréquence de nos séances n'a rien à envier à celle des assemblées parlementaires et largement supérieure à celle des collectivités territoriales. Je vous en dresserai le bilan en temps opportun. D'ailleurs, s'agissant de cette collectivité territoriale, le montant des indemnités varie sensiblement en fonction de leur localisation et de leur importance, parfois sur un rapport de 1 à 10. Les observations relevées par la Chambre laissent en revanche apparaître des débordements bien plus critiquables en matière d'emploi de cabinet, selon le même registre d'ailleurs que les reproches faits à la gestion de la présidence. Certes, la comparaison avec la situation actuelle n'est pas probante, dans la mesure où une partie des emplois dits avant 2005 de cabinet et l'adoption du nouveau règlement intérieur est maintenant comprise dans les emplois de collaborateurs, de représentants et de groupes politiques. Vous l'avez relevé à juste titre d'ailleurs. Cependant, il est néanmoins déplorable que la présidence ait, comme il a été révélé durant la période 2001-2004, employé 55 personnes directement attachées à son cabinet et dont certaines n'ont jamais travaillé à l'Assemblée et se sont en fait consacrées au seul travail politique sur la circonscription de Montréal. Ce sont des révélations et des affirmations qui ont été rapportées par la Chambre territoriale des comptes. Ce genre de comportement extrêmement critiquable n'est pas digne de la fonction de président. Mais je n'apprendrai à personne que l'attitude de la présidence de l'époque n'était, y compris dans l'hémicycle, pas à l'honneur ni de la politique, ni de la plus élémentaire démocratie. J'arrête la polémique sur ce point. Je vous rappelle que désormais, seul le président dispose d'un cabinet pour lequel j'ai précisé que l'effectif maximal ne devait pas être supérieur à 15 personnes. D'ailleurs, j'indiquerai que s'agissant de ma gestion, le nombre d'emplois de cabinet est passé de 37 agents au début de ma présidence, ce chiffre s'expliquant par la création d'un service de gardiennage dont les postes sont désormais occupés par des agents non titulaires, à 12 actuellement, comme l'a relevé d'ailleurs le rapport
l'annexe 1 plutôt que j'ai annexé au budget qui vous a été présenté, qui a été présenté à notre sanction en 2005. Par ailleurs, et comme il a été indiqué par la Chambre depuis le 3 juin 2004, les contrats portant emploi de cabinet précisent bien que leurs titulaires doivent exercer leurs fonctions uniquement à l'Assemblée. J'ajouterai que l'une des critiques faites par la Chambre à mes prédécesseurs a été levée, Madame Bouteau, avec l'adoption du budget 2005 de l'Assemblée, puisque l'annexe 1 comprend désormais, en plus de la liste des emplois permanents de l'Assemblée, la liste des différents emplois de cabinet. Alors, c'est l'annexe 1 qui vous a été communiquée. La liste des emplois cabinet, si je me souviens bien, était fixée à 12. Et la liste des emplois permanents, me semble-t-il, en poste occupé à 88. Donc, je poursuis. Donc, une réflexion plus globale qui a lieu actuellement est menée en liaison avec le gouvernement pour déterminer dans quelles conditions il pourrait être donné plus de transparence, en dehors du cadre de la simple transparence que j'ai fait réaliser lors de la communication du budget 2005 au titre de l'Assemblée, par la production de l'annexe 1, au recrutement des emplois cabinets. Cette question n'est pas simple à régler, car il faut concilier deux impératifs contradictoires, à savoir le droit des intéressés à la confidentialité de leur vie privée, garanti et encadré par le Code civil, et le droit de tout citoyen à être informé des modalités de l'utilisation de l'argent public. S'agissant des véhicules, le nombre de ceux-ci a été ramené à 32 contre 44. Je précise que les deux véhicules les plus luxueux, la Jeep Chrysler Cherokee et la Peugeot 607, seront revendus très prochainement. Les véhicules de remplacement devront être nettement moins onéreux et acquis après une mise en concurrence efficace. Par ailleurs, aucun achat de véhicule n'a été effectué en 2005. Pour ce qui est du suivi de l'utilisation des véhicules, le régime du carnet de bord entre progressivement en œuvre et je demanderai à ce qu'il soit perfectionné avec un suivi informatique. Je ne ferai pas de commentaire, Monsieur Edouard, sur l'achat des spiritueux, le rapport étant suffisamment explicite sur ce point. Je regrette cependant l'image déplorable qui a pu en résulter pour l'Assemblée et ses représentants. Voilà les quelques indications dénuées de tout esprit polémique, comme je vous l'avais indiqué en préambule, que je voulais vous communiquer. Et je voudrais terminer en vous disant que je prendrai à cœur de laisser à mon successeur une situation exempte de tout reproche lors du prochain contrôle de la Chambre. Marourou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Fitch. Oui, Madame la Présidente, je n'ai jamais parlé de spiritueux. Le Ville-Morine, ce n'est pas mon truc. Je suis au Pierre Marcel encore aujourd'hui. Je ne vois pas de quoi il veut parler, sinon... Enfin, oui, vous avez compris? Je n'ai rien dit là-dessus et je ne veux pas en parler. Parce qu'il y a de quoi dire sur la présidence aujourd'hui. Peut-être pas sa présidence à lui, mais l'autre présidence de l'autre côté, il y a de quoi dire. Je vais laisser la parole à Juliette Tahou-Atama sur le dossier, Madame la Présidente. Madame Tahou-Atama. Oui, Madame la Présidente. Donc, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues Yorana, la communication qui nous est faite aujourd'hui du rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion de l'Assemblée de la Polynésie française au cours des exercices 1996 et suivants, appelle de ma part un certain nombre de commentaires. Mais avant toute chose, sachez que je me garderai bien d'apporter un éclairage personnel sur le fonctionnement de notre institution sous la présidence de Mme Lucette Tahero de mai 2001 à 2004. Non parce que je n'ai rien à dire, d'autant qu'à l'époque, j'occupais la fonction de deuxième vice-président et qu'à ce titre, j'assume tous les choix qui ont pu être faits alors, mais parce que je la sais parfaitement capable d'apporter la contradiction comme elle a fait et toutes les explications nécessaires à ses détracteurs. Permettez-moi cependant d'affirmer que Mme Tahero-Lucette, la première femme, je le rappelle, à occuper de telles fonctions dans notre pays, n'a pas à rougir de son bilan dans, malheureusement, les nombreux points positifs
ne figurent pas dans ce rapport. Pour mémoire, je citerai la réorganisation des services administratifs ou encore l'organisation de multiples opérations destinées à redorer l'image de notre institution, comme par exemple l'Assemblée junior qui n'a pas été reconduite depuis. En conséquence de quoi, je suis également profondément attristée de voir l'ampleur du tapage médiatique qui a été savamment orchestré autour de ces conclusions, quand bien même elles sont définitives par quelques personnes, je suppose, bien intentionnées. À mon sens, la publication de quelques morceaux choisis dans les colonnes d'un quotidien à la solde du Taoui, avant même que les représentants n'aient eu à en débattre, n'est pas nature à apporter la sérénité dans notre hémicycle. Mais peut-être est-ce le but recherché, à savoir laisser la presse faire la sale besogne pour que vous puissiez conserver les mains propres. Quoi qu'il en soit, comme tout à chacun, je note qu'une large part de rapports, un tiers environ, traite du recrutement des membres dits de cabinet et de l'importance de ces effectifs à l'Assemblée. Madame Taïro n'est pas la seule en cause. Je dirais même que dès sa prise de fonction, les crédits affectés à l'emploi de cette catégorie de personnel ont légèrement diminué avant d'être stabilisés. Plus que l'aspect quantitatif qui est dénoncé, et au-delà de la comparaison faite à ce qui a cours en métropole, la Chambre est donc arrivée à la conclusion que je cite. L'Assemblée n'est que très partiellement informée des emplois de cabinet, donc elle ne peut en connaître que le poids budgétaire sans en appréhender le nombre et sans disposer de renseignements sur les fonctions exercées par les agents recrutés dans les cabinets. Des progrès restent donc à accomplir pour accroître la transparence. Il va de soi que ce mode d'organisation interne est perfectible. D'ailleurs, dans ses conclusions provisoires, la Chambre avait déjà exprimé un certain nombre de recommandations qu'il aurait été judicieux d'appliquer à la lettre au nom du changement, au nom du Taoui, de toutes les valeurs d'équité et de démocratie que vous prétendez incarner à longueur de discours. Hélas, quelle ne fut notre déception de constater à la lecture de la proposition de délibération relative au statut des emplois de cabinet du président de l'Assemblée qui nous a été soumise puis adoptée le 23 septembre dernier que le toilettage préconisé par le président de notre institution n'était en fait qu'un habillage, pour ne pas dire un simple affichage politique. En fait, la principale innovation du texte consistait à réserver au seul président de l'Assemblée la possibilité de recruter des collaborateurs au titre de son cabinet et à soumettre les emplois de collaborateurs, de représentants et de groupes politiques à un autre régime juridique. Mais ce joli tour de passe-passe ne règle en rien le problème de fond. Qu'on les appelle d'ailleurs membres de cabinet ou collaborateurs. Au moment de l'examen du texte, le Tahoeir Ahuira Atira avait suggéré au président Géros d'aller plus loin dans sa réforme, car cette œuvre de rigueur et de transparence qui lui aurait valu le respect de tous les représentants s'appliquait certes à lui-même, mais aussi et surtout à ses successeurs, sans que personne ne puisse y déroger. Ainsi, ce problème aurait été définitivement réglé. Au Tahoeira, nous étions prêts à tourner la page, à suivre le mouvement. Preuve de notre engagement, pas moins de 11 amendements avaient été déposés, tirant toutes les conséquences des recommandations de la Chambre, qu'il s'agisse de la mise en place de postes budgétaires ou d'une liste limitative des emplois, qui par leur nature nécessairement politique, relèvent des emplois de cabinet. Hélas, ils ont tous été rejetés.
par votre majorité, qui, lorsqu'elle ne reprend pas nos idées à son compte, les balaye d'un revers de main. En l'occurrence, le président de l'Assemblée persiste dans son refus de définir précisément ce qu'est un membre de cabinet si celui-ci a pour tâche essentielle de conseiller l'élu dans les choix qu'il fera. Il en résulte naturellement que certaines catégories d'emplois, comme interprète, maître d'hôtel, secrétaire, standardiste ou agent de sécurité, classés jusqu'ici comme tels, le sont à tort. Ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres, et je ne vous apprends rien en vous disant que compte tenu des nombreuses irrégularités contenues dans cette délibération numéro 2005-101 du 23 septembre 2005, un recours en annulation a été introduit devant le tribunal administratif de Papeete. Mais enfin, je ne désespère pas, Madame la Présidente, que votre réflexion évolue et rejoigne la nôtre, ainsi que celle de la Chambre régionale des comptes, sur la redéfinition du statut des emplois de cabinet. Aussi, pouvez-vous nous dire, oui ou non, si vous avez l'intention de revoir votre copie avant que ne se soit rendue la décision de la juridiction administrative. Car, ne dit-on pas, mieux vaut tard que jamais. Je vous remercie de votre attention. Ah, la surprise. Merci, Madame Juliette Tahuatama. Quelqu'un d'autre peut-il prendre la parole? Monsieur Briand? J'ai l'impression que Madame Tahuatama s'est trompée de rapport. Il s'agit du rapport de la Cour des comptes concernant la période 2001-2004. On a l'impression qu'elle nous a fait une explication d'un rapport 2005-2050. Bien. Je pense que nous... nul, monsieur... Oui, Madame Lutetaro. Merci, Madame la Présidente. Juste pour rectifier que je ne peux pas laisser passer les mensonges tels que je vais dire alors à ce moment-là, le président, même si vous êtes la présidente pour la session, avait donné pour les 55 agents qui étaient donc rattachés au seul cabinet de la présidente, donc par moi-même, pendant la période de 2001 à 2004. Je ne peux pas laisser passer que des personnes aient pu être recrutées sans qu'ils aient mis les pieds à l'Assemblée. Ça, je m'insurge contre des choses de ce genre. En plus, ce n'est même pas la Chambre qui l'a dit, puisque l'entretien préalable pour lequel vous avez eu, vous faites feu de tout bois. Or, ce n'a pas été prouvé, et d'ailleurs, ça ne peut pas. Parce que vous savez pertinemment, et je sais que j'ai un sobriquet ici à l'Assemblée, de dire que j'étais très méchante. Oui, quand on ne se présente pas au travail, il y avait une coupe très sombre, et il le savait à la fin du mois sur les fiches de paye. Vous le saviez. Aussi, quand il ne venait pas, ils avaient les préavis nécessaires, mais en tout cas, ils n'étaient pas payés, vous le saviez. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, et je trouve ça, c'est honteux de dire des choses pareilles. Merci. Madame, Monsieur Géros. Je demande juste à Madame Bissette Taïro de se reporter à son rapport à la page 5 et à la page, page 6, c'est tout. Et je m'abstiens de faire plus de commentaires à ce sujet. Bien, je pense que notre débat sur ce sujet est clos. Et je voudrais vous dire également que pour l'examen des autres rapports, nous le ferons mercredi 8 mars 2006 à 9h du matin. Voilà, donc notre séance est suspendue. Pourquoi, Madame la Présidente, Oui, Monsieur Fritsch, encore. Qui vous autorise, Madame la Présidente? Madame la Présidente, pourquoi voulez-vous suspendre notre séance? Nous sommes là pour travailler. La séance est suspendue. Madame la Présidente, le mercredi 8, c'est la journée de la femme. C'est la journée de la femme, Madame la Présidente.
Respectez les femmes, bon sang. Oui, Madame Bouteau. Je voulais en fait faire la même remarque. En plus, cette journée s'organise au sein de notre assemblée. Donc ça aurait été extrêmement sympathique de nous laisser la possibilité de participer à ces journées de la femme. Oui, ben nous le savons aussi, ben c'est comme ça, nous on a décidé que c'est reporté au 8. Les femmes seront à l'ouverture jusqu'à 9h et après on vient travailler. C'est vraiment inadmissible, vraiment inadmissible. Ça c'est vraiment de la dictature. Et le président de l'Assemblée qui vient de sortir, c'est un coup monté entre vous, c'est ça? Tu vas finir par ne pas trouver le sommeil ce soir, hein?